Hey, Samuel, réveille-toi, c'est à toi. Merde. Oh. Non, zut. Attendez. J'arrive. Là, j'ai renversé mon café sur ma tablette. J'arrive. C'est... J'arrive. J'ai cherché de... L'essuie-tout. Quand on est maladroit, on a de l'essuie-tout. Voilà. Ça va, ça va, ça va. Je crois que c'est bon. Dieu. Vous êtes là? Allez, j'y suis, hein. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Il y en a partout. Le t-shirt n'a rien eu, non. Mais on s'en fout, c'est la tablette surtout, hein. Parce que pas de tablette, pas de journaux, pas de revue de presse, pas de matinée Étienne. Ok. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, café sans sucre, ça c'est une bonne chose déjà. Qu'est-ce que je suis maladroit? Tout le monde est maladroit chez moi. Je suis très maladroit, mon épouse est très maladroite. Malo, il est comme nous. Solal, ça va. Solal, le petit dernier, il est super agile. C'est un peu un chat, quoi. Je sais pas d'où il tient ça. Mais oh là là. Et alors, moi, c'est une catastrophe, quoi. Donc, ça va. Bon, ça, vous les habitués sont habitués, justement. Ça renverse beaucoup ici. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est propre. Voilà. Suspense dans un instant. On verra si ça marche toujours. On enlève ce rouleau d'essuie-tout, parce qu'évidemment, je vous connais. Hein, tous ceux qui vont arriver là, à partir de maintenant et qui n'ont pas assisté à l'accident, hein, ça veut dire « Ah Samuel, qu'est-ce que c'est que ce rouleau de sopalin là, juste derrière toi, c'est bizarre, hein, près de ton ordinateur. » Hein ? On le connaît. Donc on le range. Je connais l'esprit de certains. Je le cache. Ne jamais, apprenti streamer, ceux qui songent à créer votre chaîne, ne jamais laisser un rouleau d'essuie-tout dans le champ de la caméra, hein. Jamais. C'est, voilà, une erreur de débutant, ça. Hop, c'est bon. Bon, allez, je finis ce café. Et on s'ouvre un petit coca. On range le petit bol de céréales. Quel bordel! Sur cette table de stream. Bon, on y est. Bon, c'est un bonjour. C'est un bonjour Tony Truant, mais tiens, on va zoomer un petit peu. C'est un bonjour, ma foi, assez sympathique. Voilà, ici, on est OK. Zoom encore un peu. Ah, c'est tout flou. Ah, c'est plus flou. Ah, on peut encore zoomer alors? Ah, mais non, je zoome pas là, je fais autre chose. Oh putain, je suis nul. Oh merde, ah, si là, je zoome là. C'est le bordel pour un bonjour. Non, ça va. Le roi du bling qui dit c'est le bordel pour un bonjour. Non, non, ça va, je trouve. Voilà. On voit pas le bordel, mais à mon avis, hors champ, c'est quelque chose. Non, 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 c'est assez bien rangé, en fait. Comme c'est le bordel dans ma tête, c'est très bien rangé en général autour de moi. Donc, non, non, c'est. Non, non, en vrai, ça va. Le câble management est pas au top, mais non, ça va. Bon, ça va, vous? Merci, Tidraoxalis, pour ce 24e mois d'abonnement. Je ne sais pas si je suis le premier aux 2 ans, mais toujours là depuis le début. Bonjour Samuel, bonjour le chat, dit Tidrao. Écoute, tu es un des tout premiers, peut-être le deuxième, enfin les tout premiers, puisque j'ai vu quelqu'un qui tout à l'heure venait de prendre son sub pour son 24e mois d'affilée, quelques secondes avant toi, 2 ans. Voilà. Vous êtes les tout premiers arrivés à ce cas, puisque la chaîne est un peu plus ancienne, mais je n'ai ouvert les subs qu'il y a 2 ans. Donc merci beaucoup Tidrao, Salomé, Bubu, merci pour ce 5e mois d'abonnement, Sylvirus34. Pour ce 22e mois d'abonnement, ça claque. 11 mois d'abonnement, c'est beaucoup aussi pour Floby One. Théo77, 8 mois d'abonnement, c'est moi qui te remercie infiniment. Pépin Camille, justement, fidèle parmi les fidèles, a également signé sa deuxième année d'abonnement, son 24e mois. Pépin Camille, elle a aussi un badge un petit peu particulier avec un joli 1 dessus, puisque ça a été une des premières personnes à follow cette chaîne. Merci à tous. Voilà, ça me permet de. Voilà, mon coca. Attends, mais je suis tellement malhabile des doigts. Oh, c'est pas, je viens de tout casser là. Je suis grave. Bon, ça va vous? Merci Didoudi pour le 24e mois d'abonnement. Voilà, vous êtes les premiers arrivés aux 2 ans. Vous êtes incroyables. Et donc, normalement, vous avez
Le nouveau badge, normalement. Normalement, vous avez le nouveau badge. Normalement. Merci Rhapsody in Blue pour le 23e mois. Vous êtes formidable. Je vous lis un petit peu, ça me met de bonne humeur. Putain, ça fait 3 ans que tu es sur Twitch. Un peu plus, en fait. Là, on rentre dans la 4e saison. Ça fait 3 ans et demi que j'ai lancé ma chaîne, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin, ça commence à faire beaucoup. En tout cas. Et ça, ça fait très plaisir. Il y a encore des nouveaux, des nouvelles qui découvrent la chaîne et toutes les bêtises qu'on fait ici. Merci Biboot qui nous découvre cette semaine. On va s'appliquer pour que tu reviennes. Merci à toi en tout cas. Est-ce qu'il a passé de bonnes vacances celui-ci, me demande Joe. Oui, très bonnes vacances. Mais là, c'est reparti. Hein. La rentrée c'est a commencé le 24 juillet pour moi. Tous les matins, je vais essayer d'être là. Et de plus en plus, puisque après 8 ans de réveil à 2h du matin, j'ai décidé, même si ça m'attriste un peu, d'arrêter la matinale de France Info qui me faisait me lever un peu tôt et mon corps commençait à fatiguer un petit peu. Et ce temps que je vais récupérer de France Info, je vais l'investir ici. Donc je serai encore plus présent avec une matinée Étienne quasiment tous les matins, avec l'hebdo Étienne, l'émission qui revient avec 4 invités sur l'actu de la semaine qui revient fin août. Ce sera tous les vendredis à 20h. Une nouvelle émission tous les dimanches à 20h également, ça me plaît. À partir de la fin août également, tous les dimanches soirs 20h, on va revenir avec un ou une invitée sur un jeu vidéo. À chaque fois, on va s'immerger, se plonger dans un jeu vidéo mythique. Ça va me permettre de mettre un petit peu à niveau sur le sujet. Merci Joe justement et Ostog pour le 3e mois d'abonnement. Tangerine Nightmare, merci pour le 6e mois d'abonnement. NTG18, merci pour les bits. Petite gorgée de coca, de caféine. Wouk, ça fait du bien. Si cette canette se renverse sur le PC, c'est la fin de ce stream. Ah. Oui, Tsuka, tout à fait. Depuis là, 2 jours, les replays donc des streams sur cette chaîne sont en sub only. Voilà, comme je passe de plus en plus de temps ici, que ça devient mon activité principale, hein, puisqu'aujourd'hui, je suis plus streamer que journaliste ou présentateur de la télévision, eh bien, les replays viennent de passer en sub only, mais vous avez toujours accès gratuitement à tous les replays sur ma chaîne YouTube. Hein, là, par exemple, cette revue de presse, là, dès qu'elle sera terminée, elle sera postée sur YouTube, sur ma chaîne Samuel Etienne VOD, et vous y aurez accès gratuitement. Voilà. En revanche, voilà, pour ceux qui sont abonnés sur Twitch, eh bien, ça vous donne notamment l'accès, quand vous le voulez, à tous les replays de ce stream et des autres. Donc, soyez rassurés, c'est toujours disponible gratuitement sur YouTube, toutes les émissions que je fais sur Twitch. Est-ce qu'on se rappelle du Coca Black? C'était au café le matin, en été, ça passait crème, me dit Gainsbourg. Je me rappelle de ça vaguement, je crois avoir essayé, mais je ne sais plus. Voilà. C'était bon le Coca Black? Manifestement, ça n'a pas trop séduit puisque ça a été arrêté. Merci NTG encore pour les bits, mais là pour le 12e mois d'abonnement, merci à vous. C'était en 2006. Waouh! C'était bon ou pas? Certains se rappellent. Merci Pamboum pour les bits. Oh, merci. Bravo pour ta reconversion en streamer en tant qu'activité principale. Ouais. Je crois que je suis le premier. Voilà, j'en suis assez content. Comment dire? Représentant de l'ancien monde, des anciens écrans, de la télévision, de la radio, à passer comme ça de l'autre côté. Voilà, et devenir principalement streamer, puisque je continue à présenter Question pour un champion, mais l'essentiel de mon temps aujourd'hui, il est consacré à Twitch, et puis un petit peu à TikTok aussi, puisque depuis le lundi, je poste tous les jours à 8h30 une revue de presse. Alors pas longue de 2-3 heures comme ici, mais express de 6-7 minutes pour vous donner l'essentiel de l'actualité, c'est sur ma chaîne TikTok. Voilà, je suis assez content de ce petit produit qui est assez cool. CFR, merci pour le Prime. Alexandal81, merci pour ce 11e mois d'abonnement. Mais là, encore merci, je ne sais pas si je t'ai remercié. Bon télétravail, Alex. Je prends un petit peu de vos nouvelles. Ah oui, il y a Thierry Moreau, t'as raison. Thierry Moreau aussi, c'est vrai. Oui, qui m'a devancé, qui a été bien avant moi d'ailleurs, qui est passé clairement des médias traditionnels à Twitch, quoi. C'est vrai, tu as raison. Il y a eu le Coca Orange aussi. What? Il y a Inou Laquet qui affirme qu'il y a eu un Coca Orange. Alors ça, je n'en ai pas souvenir. Vous en souvenez, vous? Coca Orange. C'est vrai. Merci, c'est fait encore hein, pour le prime. Alors, c'est parti pour la nostalgie de trucs
qui peuvent se boire Lican Streams, qui se rappelle du Fizz, F-I-2-Z, le yop pétillant dans des petites bouteilles métalliques violettes, mais vous buvez des trucs super étranges quand même. En vrai. Quoi, il y avait un Coca-Cannelle? Il y a Zals qui dit qu'en Finlande, il y avait du Coca-Cannelle pas terrible. Oh, si, ça devait être bon. Ah, le Tang, tout le monde se souvient du Tang. Ah, le Perrier Fluo, ça me rappelle un truc, ça, ouais, top. Ouais. Le Yop pétillant, vous en souvenez? Coca-Cannelle. Oh my god, dit Lican Streams. Tiens, on va faire une mini parenthèse sur les boissons étranges comme ça. Est-ce que tu sens la différence sur ton corps maintenant que tu dors plus? Ouais, Berry Blue. Ça commence à aller mieux au niveau de la santé. C'était vraiment, j'ai pas trop eu le choix. Ça a été dur d'arrêter la matinale de France Info parce que je kiffe cette rédaction et cette équipe, mais j'avais plus trop le choix. Le corps commençait doucement à fatiguer, à lâcher, et là ça commençait à aller mieux. Ouais. Merci Lunados pour le Prime, merci Raph pour le Prime, merci Brac25 pour le 5e mois d'abonnement, vous êtes formidable, merci du soutien. Et Thierry Moreau, vous le retrouvez aussi sur RMC. Marcounet, tu as raison, notamment dans l'équipe d'Estelle Denis. Excellente émission. Oui, David Dufresne, tu as raison, David Dufresne aussi. Journaliste, excellent journaliste avec qui j'ai travaillé d'ailleurs et qui est full Twitch maintenant. Tu as raison. Restons un peu sur les boissons. Parlez-moi de boissons étranges. J'aime bien le Coca Vanille, me dit Thierry, le bonnet, et j'ai vu un Coca Cherry Vanille. Ça existe, ça? C'est vrai, ça? La bière Boomerang, un soda alcoolisé au citron, Rem Fly. Vous avez vraiment des refs de fou, quoi. Le Fanta Pomelo. Jerry, ça a vraiment existé, ça? Il y a des fans de Coca Vanille, ici, je vois beaucoup. Ah, c'est marrant, c'est bon, ça? Vous êtes plusieurs à dire que c'est bon. Ok, professeur Quadaz est parti sur autre chose, hein, sur une autre boisson qui est le lait maternel, à l'ancienne. Oh non, c'est affreux ce que tu... Oh, je lis pas la suite de ton commentaire, c'est pas possible. Oh là là. Non. Coca Vanille, c'est excellent, me dit Dylan. Mautou dit c'est dégueulasse. Captain Mamberling se demande si ça n'a pas été arrêté le Coca Vanille. Le Fanta fruit du dragon, petit soleil, vous inventez des trucs, ça n'existe pas, c'est pas possible. Il y a Marcounet, Mopif, ils aiment bien le Coca Vanille. Ok. Ouais. Là où il y a les boissons les plus bizarres, c'est au Japon, dit Betla. On va dire, là où il y a les trucs les plus bizarres, c'est au Japon. Hein. Dans le rapport aux boissons, nourriture. À l'amour aussi, c'est un peu bizarre parfois le Japon, non? Si j'en crois des lectures récentes. Coca orange sanguine. Dr Pepper, ouais. Moins répandu en France que Coca, dit c'est Bandicoot. C'est bon le Dr Pepper, c'est sucré, hein. Irn Bru. Pire boisson d'Écosse, me dit Levin78. Je connais pas, mais ça... Attends, on fait une recherche là-dessus, on va voir. On va vérifier si c'est une fake news. Irn Bru. Je prends l'accent le plus écossais que j'ai, qui n'est pas terrible. Irn Bru. Oui, ça existe. C'est écossais. Il y a même une page Wikipédia. Irn Bru est une boisson, je vous mets ça tout de suite, écossaise, de couleur orange vif. Attendez, il y a la photo là. Et oh, oui, c'est vif, c'est très très vif même. Oui, vif. On retourne à la page wiki. Elle est là. Donc orange vif, fabriqué depuis 1901. En Écosse, sa consommation a même été longtemps supérieure à celle du Coca, grâce à un marketing très agressif, décrit comme une autre boisson nationale de l'Écosse, après le Scotch Whisky, bien sûr. Incroyable. Ok, connu pour sa couleur orange vif. Voilà. Comprend du citrate d'ammonium ferrique, du sucre, 32 agents aromatisants, y compris de la caféine et de la quinine, deux colorants controversés, du jaune orangé S et du rouge de cochenille. Ok. Il y a eu un light qui est sorti aussi. D'accord. Hein.
Ok. 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 Et donc, il y en a qui connaissent ce truc. Ok. J'ai encore appris quelque chose. Twitch, instrument de culture, Matt le Basque. Merci pour ce pseudo et merci pour ce prime. Le quoi? Attends, je vois des noms de boissons, c'est pas possible. Chacun y va du. De sa proposition, le Rivella en Suisse. Oh là là, c'est quoi ça? Je ne connais pas, mais Samuel, question pour un champion, ne comporte pas assez de questions sur les boissons. Rivella, je tombe sur une femme. Ah non, c'est Rivelli, je me suis trompé. Une jeune femme. Rivella. Ah oui, ça. Ah, mais c'est mon épouse qui boit de ces trucs-là, je crois. Ou un truc qui ressemble. Rivella. À base de lactosérum? Non, c'est pas ça. Elle boit un truc, elle boit un truc suisse avec de la pomme dedans. Qu'est-ce que c'est que ça, le lactosérum? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Composition. Rivella contient de 25 à 35% d'un sérum de lait obtenu à partir du lactosérum. Hein, le lactosérum, ce sont les protéines et les matières grasses restant dans le lactosérum retirées. Je comprends rien. Ok, c'est bon ça? Il y a un Rivella rouge, il y a un bleu, il y a un thé vert, il y a un refresh, il y a un pamplemousse, il y a un menthe suisse. Et dans le passé, il y a eu un jaune pêche, un mangue tropical, un rhubarbe et fleur de sureau. Le vrai Red Bull originaire de Thaïlande, me dit Damos. Oh, je le connais celui-là. Je le connais, ça me rappelle des soirées. Oh, ne parle pas de ça, Samuel. Le soda Hawaï. Le chibre bleu, c'est une vraie boisson, je connais. C'est français. Tourlax. Je connais, je connais, je connais. Je connais, je connais, je connais. Salut, Heroes. Et merci pour ce 19e mois d'abonnement. Coucou à toi. NTG, merci pour les beats. Mon frère retrouve que tu ressembles à Tintin. C'est pas très sympa pour Tintin. Boulet, zéro. Merci beaucoup pour ce prime. Merci pour la découverte du permaculeur. Ce matin, c'est vous qui m'apprenez des trucs. Perma. Q. L'heure, c'est un drôle de nom, hein. C'est quoi, c'est une boisson? Permaculeur. Non, c'est. Non, c'est. Tu as fait une faute de frappe, je ne trouve pas permaculeur. Je trouve permaculture. Je ne trouve pas permaculeur. Vous êtes très étrange ce matin. Qu'est-ce que vous avez bu? Justement, je vous pose la question, puisqu'on parle de boisson. Shlobi, merci pour ce prime. Rivella, c'est trop bon, manifestement. Le Rivella rouge, c'est un banger, me dit Tardigrade. Oh. Bonjour Alexandra, j'espère que tu vas bien. J'apprends des trucs, hein. Sur la boisson écossaise, quelqu'un me dit c'est radioactif ce truc. C'est vrai que ça semblait un peu radioactif. Allez, une ou deux boissons encore et puis c'est parti pour un sommaire. Pour ceux qui nous rejoignent, ils sont en train de parler de boissons étranges. Oh, le Rickless! Oh, Roivin, un bon Rickless bien frais. Oh oui! Oh, ça, c'est toute ma jeunesse. Truc très, très à la menthe, très frais. Oh, l'été, quand il fait chaud avec des glaçons. Moi, c'est un de mes grands jeux. Quand j'arrive dans un café, je dis, vous n'avez pas de réclasse. Parce que souvent, il n'y en a pas. Et sauf que parfois, il y en a. Parce que ça existe encore. Le réclasse. Il y a El Pacodo qui m'affirme qu'en Croatie, il y a une boisson qui s'appelle le pipi. Je vérifie ça. C'est un faux chat, ça. Pipi. Vous. Bonjour, qu'est-ce que tu bois? Ouh, petit pipi. Comme tous les Croates. Eh oui, ça existe. Bordel, ça n'est pas possible. Ça n'est pas une fake news, ce n'est pas une info chat, c'est une info. Voici, mesdames et messieurs, une des boissons prisées par nos amis croates, c'est le pipi. C'est pas possible. Évidemment, manifestement, ça fait la joie des touristes français qui se promènent en Croatie. Et vas-y, que je te poste ma photo en train de boire du pipi. Le pipi. Là, on est sur un bloc de vacances et à un moment, ça boit du pipi. Voilà, la bonne blague du touriste français en vacances en Croatie. En Croatie, on boit du pipi. On a encore appris un truc ce matin, très essentiel pour la marche du monde. Merci Mirette01 pour ce 9e mois d'abonnement. Qu'est-ce qu'on se marre? Il semble.
Canada Dry, si, Canada Dry, très bon, très bon, très bon. Le cacolac, le cacolac. Oh, ça, c'est un banger, le cacolac. C'est vraiment super bon, quoi. Sirop d'orgeat, quand j'étais jeune, c'était ma boisson préférée avant que je découvre la bière. Un lait orgeat, un lait bien frais avec du sirop d'orgeat. Ouais, j'arrivais à l'adolescence, là. Puis après, j'ai découvert d'autres boissons qui mettaient de bonne humeur. Et souvent, au café, je demandais un lait orgeat. En général, le serveur avait le sourcil qui se levait. Ok, d'accord. J'ai de l'orgeat. Je vais te servir ça. Fanta, fraise, kiwi. J'ai trop envie de goûter. Trop envie de goûter, trop envie de goûter, trop envie de goûter. Bière sirop d'orgeat. Ouais, pourquoi pas. Je ne connais pas le Gambetta Bukowski. Braise Cola. Non. Chuck Momo 44. Le Braise Cola, ça existe. Hein. C'est un Coca-Cola qui est fabriqué en Bretagne. Je crois qu'il y a une usine du côté de Saint-Grégoire, je sais plus. Braise Cola sous-côté. Et Hélène, mon amoureuse, elle n'aime pas. Hélène, elle fout le boxon à chaque fois dans les crêperies en Bretagne, où souvent on arrive, elle boit du coca. Hélène dit bonjour, un coca s'il vous plaît. Le truc, tu demandes. Dans le monde entier, tu demandes dans un bar un coca, on te sert un coca. Pas en Bretagne. En Bretagne, dans les crêperies notamment, tu demandes un Coca-Cola. Et là, le serveur ou la serveuse a un petit mouvement de recul. Hein, ça. Vous voulez dire un Braise Cola? Ah, ok, j'ai un numéro qui m'appelle sur mon téléphone, c'est marqué Chine continentale. Je pense que je ne vais pas décrocher. C'est quand même très. Je vous montre pas le numéro, mais c'est marqué Chine continentale. C'est très bizarre. Et donc, vous voulez dire Braise Cola? Et mon épouse, Hélène, qui est très cool, mais pas là-dessus, dit non. Du coca parce qu'elle aime pas le Braise Cola et en général le serveur la serveuse répond surtout dans les crêperies on n'en a pas, on a que du Braise Cola. Et là Hélène répond, c'est un peu l'escalade, elle dit eh bien dans ce cas là rien. Elle me fait le coup à chaque fois. Oh, j'adore. Quand je vois Hélène dans une crêperie en Bretagne qui demande un Coca-Cola, je fais aïe, c'est parti, ils vont encore se mettre dessus. Voilà, et ça me fait rire. Bon, en vrai, c'est vrai que ça n'a pas le même goût, quoi. C'est peut-être, certains peuvent trouver ça meilleur, mais c'est pas pareil. Hélène, elle aime le Coca. Quand je lui fais goûter mon Coca-Zéro, elle dit non, comment tu peux boire ça? Tu vois pas la différence? C'est quoi la différence? Bah si. Et quand vous savez, quand vous commandez au McDo par exemple, vous apporte un Coca, un Coca Zéro, c'est dans le même verre. Et là je dis à Hélène, je sens pas la différence, dis-moi toi. Et puis alors elle prend un des deux, elle tombe sur le Coca Zéro. Elle goûte et fait c'est le tien ça. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. C'est drôle. Pff, non. Il y a Rimek qui dit qu'à Limoges, il y a un Coca Limousine fait avec de la châtaigne. Non, non, arrêtez-vous. Non. Coca. Comment? Coca Limousine. Non. Avec de la châtaigne. Non. Je sais, je connais les Limougeaux. Ils peuvent pas faire ça, c'est pas possible. Eh bien, si le Limousine Cola, n'importe quoi, c'est parti. Avec de la châtaigne. Routard.com, après le Braise Cola, décidément, tout nous rapporte au Braise Cola. Où est-ce que c'est le truc? Alors, l'article est introuvable, voilà le site. Alors, nom de Dieu! Alors, il est où le cola là? Putain, il y a même une guerre des colas locaux. Oh là 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 là, il est où le Limousine Cola là? Trouvons-nous un article un peu là. Limousine Cola là, c'est un site où on peut l'acheter là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a un taureau dessus! N'importe quoi! Oh! T'es pas marqué châtaigne par contre, hein? Vous êtes sûr pour la châtaigne? Sûr?
En tout cas, bon, voilà. En tout cas, c'est vrai, ça existe. Ça existe. Oh là, quelle dinguerie. On vit vraiment dans un monde de fous. Docteur Neville, merci pour cet abonnement que tu prends. Merci à toi. Mathis, merci pour le 11e mois d'abonnement et le très gentil message. Et t'inquiète, on va se régaler. NTG18, merci encore pour les bits. Et Mirette01, merci encore pour le 9e mois d'abonnement. Allez, un dernier, une dernière boisson, une dinguerie dans le chat et c'est parti pour le sommaire. Attention, qui va gagner ce concours de la boisson la plus dingue? Salut la MMZ, tu n'es pas en retard, tu es pas en retard, on est même pas commencé le sommaire. Allez, attendez. Je cherche vraiment une dinguerie à boire. Attendez là, je vérifie une info là avant de vous la donner. Hein. Ouais. Attends. Ouais, j'ai trouvé. C'est quoi? Excusez-moi, je ris tout seul. C'est quoi? Ok, non, excusez-moi, mais je peux pas partager ce rire avec vous. Non, ce n'est pas possible. Je cherche une boisson de dingue pour terminer. Attention, qui va gagner ce concours? Ouais. Ouais. Peut-être, on a peut-être un gagnant parce que quelqu'un m'en a parlé déjà tout à l'heure, je suis pas allé chercher, ça a piqué ma curiosité. Hop. Qu'est-ce que c'est que cette boisson? Le Selecto, proposé notamment par Wayne qui dit que c'est horrible. Alors quelqu'un d'autre m'en a parlé tout à l'heure, hein, rendons à César ce qui est à César, mais je ne me rappelle plus du nom du pseudo. Selecto, boisson algérienne de l'entreprise algérienne Hamoud Boualem, soda au caramel. Souvent assimilé à un Coca-Cola en raison de sa couleur et malgré un goût radicalement différent de celui des colas. Ok. En France, sont sortis des modèles qui ne sont pas vendus en Algérie. Le Selecto à la pomme et le Selecto au citron. Alors, est-ce que vous avez bu du Selecto? Est-ce que c'est bon? C'est trop bon, me dit Casseterma. C'est imbuvable, me dit Baklava Pistache. C'est du diabète en bouteille, me dit 47 Alexia. Ouais, alors, c'est bon, c'est pas bon? C'est pas mal, me dit Nyandra. C'est horrible, me dit Justine. C'est non pour Captain Oui Oui. C'est un goût de chewing-gum, me dit Bazooka. C'est absolument horrible, me dit Chatmot. C'est incroyable, mais le goût, c'est plus harlequin qu'autre chose. Je vois un wesh de l'ami Joe Coco. wesh back. Tu connais le Selecto, Joe? Tiens, on déjeune avec Joe la semaine prochaine. On se prendra un Selecto, tiens. Il va falloir trouver le resto qui nous offre du Selecto. C'est affreux, me dit 47 Alexia. C'est sélectif, me dit Chimsky. Oui. C'est un goût de banane insipide, Samberto. C'est vrai que ça fait envie. Bon, voilà pour notre petit échange sur les boissons bizarres ce matin qui a été provoqué par mon café qui s'est à nouveau renversé sur ma table de stream. Quand on est maladroit, on ne l'est pas à moitié. Kirepoux, merci pour ce 23e mois d'abonnement. Et bon, on va faire un petit sommaire. Maintenant, c'est fait 33 minutes qu'on se dit bonjour. Donc, il est temps. Si le lémente, c'est bon. Quelqu'un me dit qu'il y a du pétrole dans le Selecto. Arrêtez avec vos bêtises. Est-ce que vous êtes prêt pour... j'ai encore du café sur ma table. Oh, quel crado. C'est du café ou c'est du coca? Excusez-moi, hein, je nettoie. Voilà. 30 minutes sur les boissons, vive Twitch! Vive Twitch! Allez, c'est parti, est-ce que j'ai un go? Oh, yes! Est-ce que j'ai un go? Yes! Est-ce que j'ai un yes baby? Yes. Est-ce que j'ai un yes baby, je le répète? Yes! Non, un yes baby, je veux. Yes baby! Ah, ok, on est parti, alors c'est parti. C'est parti pour le sommaire, on est sur un rythme d'enfer, 34 minutes de bonjour. Seulement, c'est que dalle! Alors, qu'est-ce qu'on a dans le sommaire ce matin? Bon, des trucs intéressants, hein, sinon je serais pas là.
dans vos journaux. On se fait un petit sommaire en 10 minutes, comme ça, même si vous n'avez pas 2-3 heures à nous consacrer, eh bien, vous aurez l'essentiel de l'actualité. À la une des journaux, il y a comme hier, dans le Parisien déjà, un jeune homme. Il n'a que 21 ans, il fait la une de vos quotidiens. Pourquoi ? Parce qu'il s'appelle Léon Marchand, nageur français, 21 ans. 3 médailles d'or au championnat du monde de natation qui se passe au Japon. C'est le boss, comme dit HTZZ et Renaudol à l'instant dans le chat. On ira se regarder sa dernière finale, là, sa troisième médaille d'or. La première médaille d'or, c'était sur le 400 mètres 4 nages. La deuxième sur 200 mètres papillon. On a regardé ensemble la course hier. La troisième hier sur 200 mètres 4 nages. Il aurait même pu s'imposer en brasse, sauf que la course était trop proche de cette troisième finale et du coup il a préféré être prudent. Et c'est un grand espoir de médaille pour la France aux Jeux Olympiques de 2024. Donc à la une du Parisien, de nouveau, on va se pencher un petit peu sur notamment l'histoire et le point fort de Léon Marchand, qui est la coulée. Voilà, puis on regardera la course et on les images très très fortes. Et puis on va beaucoup parler du Niger, parce que vous avez trois journaux qui consacrent leur une à ce coup d'État en cours, hein, qui semble sur le point de réussir au Niger. Regardez la une du Monde au Niger, le coup de force qui déstabilise le Sahel, le chaos au Niger qui achève de déstabiliser le Sahel, c'est la une du Figaro, et celle de Libération, là voici la contagion du putsch. On commencera par Libération, on lira aussi des infos à ce propos dans Le Monde. Et voilà. Mais c'est le gros dossier international de ce matin. Est-ce que la Russie y est pour quelque chose ? C'est l'une des questions. Il y a MMGCTF qui écrit dans le chat à l'instant, certainement un coup de la milice Wagner. C'est pas sûr. Il y a des vraies interrogations quant au rôle, l'influence de la Russie dans ce coup d'État. Question dans Le Monde. Est-ce qu'en 2023, un père à la tête d'un pays peut laisser la place à son fils ? Lui transmettre le pouvoir comme ça, hein? Oui, au Cambodge en tout cas, parce que vous avez Hun Sen. Hun Sen qui est le premier ministre du Cambodge depuis 38 ans. 7 mois et 8 jours, il en est très fier, il fait le compte. Passe la main à son fils, Hun Sen, qui laisse la place à Hun Manet, 45 ans. Voilà. Et puis c'est pas tout, parce qu'on apprend dans l'article du Monde que sa fille dirige plein d'entreprises, que l'un de ses fils est le numéro 2 de l'armée, qu'un autre fils est ministre de l'éducation. C'est un peu une dinguerie, on verra ça. Ça se passe au Cambodge. Beaucoup d'actualités internationales intéressantes ce matin, dont la Croix un dossier sur le système de santé américain. Voilà. Un truc qui peut sembler surréaliste vu d'un pays comme la France avec notre système de santé, notre système de sécurité sociale notamment. Vous avez près d'un Américain sur deux qui est endetté, qui s'endette aux États-Unis pour se soigner. Près d'un Américain sur deux est endetté après un passage à l'hôpital pour un montant global, hein, pour l'ensemble des Américains et des Américaines, de près de 200 milliards de dollars. Je vous donne juste un chiffre, hein. Le coût moyen de 3 jours d'hospitalisation aux États-Unis est d'environ 30 000 dollars. Voilà, on se penchera sur ce dossier. C'est dans La Croix. On viendra en France avec Libération, ça c'est vachement intéressant aussi. Les colonies de vacances. Qui a participé ici à des colonies de vacances ? Dans les années 60, c'était énorme, c'était le pic. Vous aviez, nous rappelle Libération dans ce dossier, 4 millions d'enfants dans les années 60 qui partaient en colonies de vacances. Aujourd'hui, ils ne sont qu'1,3 million. Donc on est d'accord que c'est plus de 3 fois moins. Et c'est dommage, nous dit Libération, parce que ça permettait à beaucoup d'enfants, et ils sont très nombreux en France, qui ne partent jamais en vacances, de le faire. Et d'un, et deux, ça permettait un brassage social notamment, en se faisant se rencontrer, se connaître, se parler, des enfants qui ne se seraient jamais croisés, notamment. Les politiques commencent à prendre conscience de cette dégradation, on dit ça, des détériorations de ce système de colonies de vacances. On se penchera d'ailleurs sur le pourquoi. La gauche fait des propositions et le gouvernement a annoncé une mesure hier. On parlera donc des joyeuses colonies de vacances tout à l'heure. Des nouvelles du conflit social au Journal du Dimanche, hein, ce quotidien que je vous lis souvent le dimanche. Alors pas en ce moment puisque ça fait plus de 5 semaines enfin 37 jours, oui, enfin, ça fait 5 numéros pourtant, je crois, hein, ou 4 ou 5, je sais plus. Enfin, ça fait 37 jours précisément
que le journal est en grève. Pourquoi ? Parce que les journalistes, à 98%, c'est énorme, hein, sont mobilisés contre l'arrivée d'un nouveau directeur de la rédaction, nommé par le futur actionnaire Bolloré, Grégoire Lejeune, qui vient de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, hebdomadaire qui est situé très, 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 très à droite, ce qui est très, 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 très loin de la ligne éditoriale du JDD. Et les journalistes qui ont signé, quand ils sont embauchés, quelques mois ou quelques années, pour une ligne éditoriale, se retrouvent avec une menace de ligne éditoriale radicalement différente avec l'arrivée annoncée de Geoffroy Lejeune et pas Grégoire comme j'ai fourché. Merci beaucoup. Donc on va suivre ce feuilleton, c'est pas la première fois que je vous en parle. Ça c'est fou. Ça c'est fou. C'est dans la Croix. Ça se passe en Australie. OK. Non, pas une canne de coca. Merci Kerry Poux pour le 23e mois d'abonnement, on s'approche des 2 ans, c'est une folie. Vous prenez une puce électronique, vous prenez des neurones humains que vous cultivez de façon artificielle dans une petite boîte, une boîte de pétri, ok? Vous connectez les neurones humains, les neurones humains à la puce électronique. Ouais. Et le truc commence à réfléchir. Et faire des trucs. Oui, en Australie. Ça se passe en Australie, les organoïdes cérébraux, hein, c'est comme ça qu'on appelle cette fusion, cette connexion, ce mariage, ce couplage de puces électroniques avec des neurones, voilà. Et le truc arrive à jouer à Pong, what the fuck, dit Nello. Oui, ils ont déjà réussi à apprendre à ce truc, à jouer à Pong, hein, des premiers jeux vidéo là, de tennis, de ping-pong, là, tic, 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 tic. Le truc a appris à jouer à Pong en 5 minutes, voilà. Voilà. Évidemment, la Croix se demande qu'est-ce qui va se passer, quoi. Le futur de ça, les éventuelles dérives, quoi. C'est dingue, hein. Incroyable. Poincaré n'est pas du tout impressionné. C'est un flux électrique, rien de plus. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est flippant, quand même. Le truc de malade, comme dit Weekend à Rome. Voilà. Ça fait flipper, dit Juber. C'est flippant, hein. Déjà vu ça dans Stargate, me dit Choupi, et ça s'est mal fini. Puis on parlera de pénis aussi ce matin, parce que de temps en temps, non, blague à part, alors c'est une info qui peut sembler un petit peu anecdotique comme ça, mais c'est très sérieux. C'est en Mongolie, on a découvert le plus vieux pénis sculpté, hein, vieux de 42 000 ans, voilà. Découvert en Mongolie, deux archéologues français ont pu l'étudier et c'est assez intéressant parce que en fait ça pose plein de questions bien au-delà de la blague. Un zizi sculpté, c'est incroyable, porté en médaillon. Donc c'est-à-dire qu'en fait la personne qui portait ce pénis sculpté le portait en médaillon. Alors pourquoi porter? Alors, la question vaut, il y a 42 000 ans et aujourd'hui, pourquoi porter un pénis sculpté ? C'est la question que je me suis posée. Oui, en médaillon. Ouais. Une certaine idée de la mode, propose Pierre Richard. Parce que c'est joli, dit Worms. C'est ce qui s'appelle porter ses couilles, dit Playmob. Assurer la fertilité, peut-être. Ah ah ! Une question d'honneur. Le zizi de la chance, dit Monsieur Diz. Pas mal. Peut-être un médaillon de la fertilité, voilà. C'était peut-être un prêtre d'une religion de la fertilité. Ouais. Ah. Oh, pas mal. Ticlem se demande s'il n'y a pas un rapport avec la pénicilline. Alors j'applaudis ça. C'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Hein ? Que dire ? Voilà. Ou Cécilou propose, ou alors c'est juste du mauvais goût. Bon, voilà. Et puis on aura un petit horoscope, bien sûr, pour les fidèles, ceux qui seront à la fin. Notre petit célèbre jeu de l'horoscope, il est comment ce sommaire? Il est pas mal, vous en pensez quoi? Hein? Un truc pas mal. On s'étire. N'oubliez pas que dans l'hygiène quotidienne du streamer et des viewers, il faut de l'étirement, ancien. Ça s'étire. Voilà, on tire un peu à droite. On tire un peu à gauche, des deux côtés, voilà. Pas plus longtemps à droite qu'à gauche, parce qu'après Twitter vous prend à partie, vous dit hey, dangereux gauchiste, ou ouais, facho. Donc, hein, vous calculez bien votre temps gauche-droite pour être bien au centre, voilà, bien équilibré. Voilà, très important.
Voilà. Bon, sinon, avant de démarrer, ça va vous? Sans, la douche. Bien sûr, sans oublier la douche, Jean-Sébastien, bien sûr. Bien sûr. Alors, Pierre-Richard propose, en plus de cette hygiène gymnastique, une galipette et roue arrière. Doucement, hein. À mon âge, ça fait longtemps qu'on fait plus de roue arrière. Hein. Oui, X, oui, Twitter, X. Ouais. Moi, je vais continuer à dire Twitter pendant un moment, parce que X. Hein, déjà qu'on parle de zizi sculpté ce matin, donc on va prendre le temps pour adopter le nouveau nom de Twitter voulu par Monsieur Musk. Galac25 est en pleine forme. Hello, les Jones MDR. Dans la même phrase, tu arrives à mettre deux mots qui sont plus utilisés depuis 1870, MDR et Jones. Désolé. Ah, les galipettes, j'ai rien dit. Greeting fellow kids. Oui, exactement, c'est ça. Oh, je dis tout le temps MDR, dit Togmar. Oui, mais ça, c'est parce que tu as 92 ans et ça n'est pas grave, hein. Puisque dans les EHPAD, les gens disent beaucoup MDR. Et en fait, c'est pas, c'est dans un vase clos comme ça, dans une micro-société de gens qui ont plus de 80 ans, MDR, ça passe crème en fait. Mais sinon, dans la rue aujourd'hui, dehors, tu peux plus dire MDR. Hein, c'est très dangereux, hein, tu peux te faire agresser. À 24 ans, je dis MDR, c'est grave. Ben, pigreline, si tu travailles en EHPAD, non. Parce que tout le monde te comprendra. Mais sinon, à l'extérieur, tu peux plus dire MDR. Hein. C'est fini, hein, MDR, c'est terminé. Hmm. 24 ans et je dis MDR. Mais non. Il faut plus. Hein. Hein. Mais Samuel, tout le monde dit MDR par message. Bah non, c'est non, faut arrêter. Hein. C'est en EHPAD hein, maintenant, hein, MDR. On remplace par quoi? Ben par LOL. Pardon. Vrael 22, merci pour ce quatrième mois d'abonnement. Je suis très 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 en forme. Bon, allez, on plonge. Ah ben c'est parti. 46 minutes d'introduction, c'est super court. C'est parti pour la matinée Étienne. Et à nouveau, tiens, on m'envoie un texto. Attendez, je regarde si c'est très 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 grave. Oh. J'espère que tu vas bien. Je vois ça. Si tu es à Paris jeudi prochain, on fait une émission à France Inter sur les jeunes et l'information. Oh allez, les amis, en direct live, elle est sympa. On m'appelle encore de Chine continentale. C'est très bizarre ce numéro. Je vais voir si le chinois ou la chinoise qui m'appelle va me laisser un message. Donc, on m'invite sur France Inter jeudi prochain pour une émission sur les jeunes et l'information. Pour le téléphone sonne de 19h15 à 20h. C'est sympa ça. Hello. Oh putain, je tape vraiment comme un vieux quoi. J'ai envie de dire MDR lol. Hello. Je ne vous donne pas le nom de la personne. Yes, pourquoi pas. J'aime bien France Inter, virgule. Je reviens vers toi après mon stream de ce matin. Voilà. Enfin, genre, t'as vu, je suis sur le pont, quoi. Voilà. Excusez-moi, on fait ça en direct. Est-ce que les gens qui m'appellent de Chine me laissent des messages? Non, c'est très, très étrange. Vous aussi, vous avez des appels de Chine continentale sur votre portable? C'est bizarre, hein? Très bizarre. Merci, petite Malouine en sucre, pour le 16e mois d'abonnement. Merci, Cabier, pour le 17e mois d'abonnement. Merci Vrael22 pour ce quatrième mois d'abonnement et ce message, nonobstant le fait que je dorme souvent à l'aube, il me semble wesh de m'abonner. Merci pour ce message. Encore merci Kiripox. C'est bizarre hein, ces coups de fil de Chine là. Très étrange. Continental. Donc, à la une du Parisien, comme à la une du Parisien hier, à nouveau les amis, Léon Marchand. Oui mesdames et messieurs, Léon Marchand 21 ans. 3 médailles d'or au championnat du monde de natation. C'est énorme. En fait, c'est historique. C'est historique. Jamais un Français a fait ça. Je crois qu'il a que 5 titres mondiaux en natation. D'après le Parisien, sauf erreur du journal, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du sport français. C'est une dinguerie. Hein. Marchand de rêve. Ah oui, Léon Marchand de rêve. Oh, très en forme le Parisien ce matin avec les jeux de mots. Marchand de rêve.
Voilà, puis page 2, ils remettent ça. Léon Marchand, la France a un incroyable talent. Oh, quelle forme du Parisien ce matin. C'est juste insane. Je lis à 21 ans. Le nageur français a remporté sa troisième médaille d'or aux mondiaux. Il pourrait être l'une des grandes stars de Paris 2024. On en parlait déjà hier pour sa médaille d'or sur 200 mètres 4 nages. Il y avait déjà eu une première médaille d'or au Japon de Monsieur Marchand sur 400 mètres 4 nages. Et hier, il l'a emporté à nouveau. Vous avez peut-être vu ça en direct sur France Télévisions sur 200 mètres 4 nages. On va aller voir la course dans un instant parce que je suis allé la voir ce matin pour préparer cette revue de presse. Et c'est quand même très impressionnant la domination qu'il a sur le gratin de la natation mondiale quand même, c'est juste fou quoi. Gironte, merci beaucoup pour ce 23e mois d'abonnement. Je lis ces premiers mots de l'article d'Éric Brunat, qui est l'envoyé spécial, s'il vous plaît, du Parisien à Fukuoka au Japon. Il a 21 ans, des traits encore juvéniles, un petit peu comme moi, sous ses boucles blondes. Okay. Un nom qui sonne bleu, blanc, rouge, Léon Marchand, oui c'est vrai. Et tout l'avenir devant lui, la France tient un incroyable talent. Bon, évidemment, le Parisien, quand ils ont un titre, un bon jeu de mots, ils ne le lâchent plus. Hein. J'ai un message de France Inter qui me dit « Ok, top. Super. » Il s'appelle Léon Marchand, le nageur toulousain brille de 1000 feux et d'un seul métal doré aux mondiaux de Fukuoka au Japon, dont 3 courses, 3 médailles d'or, véritable exploit. Là, c'est ce que je vous disais, a priori, c'est historique. La natation... Oui, oui, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Yatsuka qui dit « Chelou le commentaire sur l'origine du nom. Mandou, c'est bizarre cette remarque sur son nom. Renaudol, un nom qui sonne bleu, blanc, rouge. C'est bizarre de préciser, non ? Le nom français, c'est Border quand même. » Ouais, moi aussi, je trouve ça un peu... je trouve ça maladroit. Je trouve ça très maladroit. Je pense que c'est une espèce de blague. Libération, ils sont forts pour les blagues et le jeu de mots. Tout le monde n'est pas Libération. Genre Léon, Marchand, ah là là, c'est super. Mais c'est maladroit. Je pense que c'est pas... Ça se veut pas raciste. Mais je pense que c'est maladroit. Voilà, c'est tout. C'est quoi la phrase ? On va la relire. Un nom qui sonne bleu, blanc, rouge. Ouais, c'est quand même maladroit. C'est maladroit. Ça n'a rien à faire là, en fait. On s'en fout, en fait. Hein. Ouais, c'est vrai. Je valide la remarque. Donc, la natation tricolore, je n'avais jamais vu ça. En bonus, un record du monde soufflé à la légende Michael Phelps, l'américain. C'est intéressant parce que les deux hommes ont le même entraîneur. Et un record d'Europe, 5 sacres mondiaux au total en à peine un an. Le prodige occitan est déjà le français le plus titré de l'histoire. J'ai envie de dire cocorico et puis on va se calmer peut-être sur le côté tricolore. Sur la route des Jeux de Paris, où il pourrait monter jusqu'à 4 fois sur la plus haute marche du podium, parce que je crois qu'il aurait pu disputer le 200 mètres brasse aussi au Japon, mais je crois que l'épreuve était trop, trop proche de sa dernière finale, donc il a fait l'impasse, mais aux Jeux de Paris, il pourrait tenter aussi le 200 mètres brasse, parce qu'il est aussi très fort en brasse. Rien ne semble pouvoir dévier la nouvelle star de son fabuleux destin. On a échappé au fabuleux destin d'Amélie Poulain dans cet article. On va aller voir la course. On va aller voir la course. Alors, où est-ce qu'on va trouver ça ? Sur France Télévisions, bien sûr. Alors, on tape Léon. On tape Marchand. Hop là. Pam 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 pam. On tape actualité et bim, je vais trouver ça, on va taper vidéo même et ça y est, en quelques clics vous trouvez la vidéo de France TVinfo.fr et la finale elle est folle. je vous cale ça. J'ai vu l'image tout à l'heure en préparant la revue de presse. Voici la finale du 200 mètres 4 nages. Marchand est au couloir numéro 4. Voilà, 1, 2, 3, 4. En partant du haut, il a manifestement un bonnet 3, 4, blanc. Bah, comme hier. Ouais, ok, c'est parti. Vous êtes prêts ? Let's go ! Le commentateur disait que l'Américain était en train de boire la tasse, quoi. Bon, vous en pensez quoi de ce spectacle ? C'est hallucinant quand même. Hein. On est quand même avec les meilleurs nageurs du moment au niveau mondial chez les hommes là. Et il explose
Et il explose les autres, quoi. Voilà. On va se pencher sur l'histoire de la coulée, là. Une qualité de coulée, là. Hein, quand il est sous l'eau à la relance après le virage, qui est juste hallucinant, quoi. Non, c'est pas 100 mètres, c'est 200 mètres, puisqu'on est sur des bassins olympiques, Mr. Wednesday. Donc, un bassin olympique, c'est 50 mètres. 4 fois 50, ça fait 200. Hein, c'est pas du 25 mètres. On n'est pas sur du 25 mètres, là. Ah, ouais, Oranet a beaucoup rigolé sur le... Il est en train de boire la tasse aussi. Voilà. Il peut nager 14 mètres sous l'eau, dit Caradoc. D'après les chiffres que j'ai dans le Parisien, c'est encore plus, vous allez voir. Là, je crois que sur une des relances, là, il a parcouru 20 mètres sous l'eau, je crois. Attendez, je crois que c'est... Ouais, on va lire, parce que je crois qu'il y a une limite à pas dépasser. Je me demande si la limite, c'est pas 15 mètres d'ailleurs, donc peut-être que mon 20 mètres, il est débile. On va voir ça. Kiripox, est-ce que vous savez s'il est encore aligné sur d'autres nages pour la fin du championnat du monde? Non, c'est terminé. Hein, c'est terminé. Ouais, c'est ça, la limite est de 15 mètres exactement. C'est ce que j'avais en mémoire. C'est terminé puisqu'il aurait pu s'aligner sur la brasse aussi, mais l'épreuve de brasse était trop proche de la finale de qu'on vient de voir, et donc il a préféré avec son entraîneur tirer un trait sur cette possibilité éventuelle de médaille, voire quasi certaine hein, vu le niveau. En brasse pour assurer la médaille d'or sur sur cette dernière finale. Voilà. Mais aux Jeux Olympiques de Paris, par contre, il pourra le... Ah, le relais ! Ah, bonne relance à l'instant de Worms. Est-ce qu'il n'y a pas un relais ? Ah, peut-être l'article n'en parle pas, mais est-ce qu'il y aurait du relais ? Ah, oui. Est-ce qu'il y a du relais au championnat du monde ? Ah, peut-être. Ouais. Je lis un petit peu vos messages et on enchaîne. Il y a Kemos qui nous apprend cette importance ce matin, je crois, pour contextualiser toute cette information que lui aussi aux toilettes fait une coulée olympique. Bravo, je salue cette énorme vanne. Pas mal, non, c'est français, Edwin Derby. Ouais, c'est un monstre. C'est énorme. La France est qualifiée en finale, me dit-on, pour le relais. Et donc, je suppose que Marchand est en relais. Et donc, je viens de dire une bêtise, il peut peut-être encore remporter une médaille. C'est cet après-midi, me dit Pépin Camille, qui est au top de l'actu. Relais 4 fois 200 mètres, finale. 4 fois 200 mètres ? Ok, d'accord. French Guillaume, bonté divine, bonjour à tout le monde, je viens d'exploser une tasse remplie de café au bureau, il y en avait partout à l'aide. Et bah ça nous est arrivé aussi en début de stream ici tout à l'heure, on est des champions, c'est pas un hasard, on est connecté. Énergique, merci pour le 24e mois d'abonnement, vous êtes parmi les premiers à arriver à 2 mois d'abonnement, c'est énorme. Vastum75, merci encore pour le 18e mois d'abonnement. Eleven Mazis, merci pour le 7e mois d'abonnement. Et lisons la suite de... cet article. 2 ans, c'est fou, hein. 2 ans. Ouais, 2 ans. J'ai dit 2 mois. Merde. J'ai dit bravo pour ces 2 mois d'abonnement, c'est énorme. Non, c'est 2 mois, c'est énorme, mais c'était 2 ans, effectivement. J'ai les premiers qui arrivent à 2 ans. Merci de m'avoir corrigé. Donc, je reviens à l'article du Parisien qui souligne notamment son extraordinaire confiance actuellement. Lorsqu'il se présente, nous explique le journal, sur le plot de départ actuellement, rares sont ceux qui doutent de l'issue de la course, et ils n'ont pas tort, les chiffres parlent pour lui. Depuis, ça c'est incroyable, les mondiaux de Budapest en 2022, le phénomène d'Arizona State University, puisqu'il s'entraîne aux États-Unis, n'a perdu aucune de ses courses. Depuis 2022, depuis le mondial de natation à Budapest, il n'a perdu aucune de ses courses statistiques de fou, que ce soit en compétition du week-end, en finale universitaire aux États-Unis, au championnat de France ou au championnat du monde. Il n'a perdu aucune de ses courses. C'est juste la folie, c'est juste irréel, nous dit le Parisien. Chez les marchands, alors on va se pencher sur les raisons du succès, on en parlait hier, entraînement énorme, comme toujours d'ailleurs chez les nageurs. Chez Marchand, ses coéquipiers, ses partenaires d'entraînement aux États-Unis disent qu'ils s'entraînent encore plus qu'eux. Et puis peut-être une histoire de famille aussi, peut-être, puisque papa et maman étaient champions de natation. Je ne sais pas si vous le savez, chez les Marchands, écrit le Parisien, la natation est avant tout une affaire de famille. Tyler Locke écrit « Les Américains sont meilleurs que lui ». Tyler
tu as conscience que là, c'est les championnats du monde. Du monde. Que les États-Unis, c'est dans le monde. Et donc que les nageurs américains étaient à ces championnats du monde. Et que Léon Marchand a gagné la médaille d'or. À quel moment tu nous expliques que les Américains sont meilleurs que Léon Marchand? Ils boivent la tasse! Les Américains! Si! Mais dis donc, Tyler! Toi, tu ferais mieux de boire un café pour te réveiller parce que tu dis n'importe quoi quand même. Pardon. Donc, chez les marchands, la natation est avant tout une affaire de famille. Papa, spécialiste du catenage, a disputé les Jeux Olympiques en 2000, hein, s'il vous plaît. Et du monde. Les Jeux Olympiques, vice-champion d'Europe, vice-champion du monde, du 200 mètres catenage, hein, papa quand même. Et attention, la maman Céline Bonnet, également à l'aise dans l'exercice, s'est invitée aux Jeux Olympiques en 1992. Voilà. Donc, c'est quand même un sacré palmarès. Petite projection vers 2024, les Jeux Olympiques de Paris. Il peut faire 4 médailles individuelles puisqu'il va au JO s'aligner en individuel sur 400 mètres catenage, 200 mètres catenage, 200 mètres papillon, là où il a remporté 3 médailles d'or à l'instant, et peut-être sur 200 mètres brasse où il a frôlé le record du monde récemment, mais auquel il a dû renoncer au Japon pour les raisons que je vous disais, hein, que c'était trop près de la finale qu'on vient de regarder. En revanche, les horaires de passage devraient être un petit peu plus larges à Paris, enfin aux Jeux Olympiques de Paris, et du coup, eh bien, ça peut l'aider à nourrir d'incroyables ambitions. Un petit coup de projecteur sur la coulée, vous savez, hein, ce moment où le nageur est sous l'eau. Les coulées, c'est justement l'arme fatale de Léon Marchand, nous explique le Parisien. Il y a la partie visible, hein, dans la compétition, les bras, les jambes qui s'agitent différemment selon la nage pratiquée, puis il y a la partie invisible. Celle où Léon Marchand fait la différence sur toutes les distances, la coulée, on l'a vu d'ailleurs sur les images là, notamment dans la dernière, je ne regarde pas le chat pour qu'on mette pas la dernière. En natation, on fait des, tu vas me faire 10, je ne regarde pas, ça va revenir. Merde. Longueur. Yes! Dans la dernière longueur, après le dernier virage, incroyable relance via une coulée. Au départ d'une course et à chaque virage, les nageurs passent un temps sous l'eau avec l'obligation de ressortir sur l'eau avant la ligne dite des 15 mètres, des portions subaquatiques dans lesquelles le Toulousain n'a pas d'égal. Dimanche, notamment, c'est par ses performances sous-marines que le prodige français a amélioré le record du monde du 400 mètres catenage de Michael Phelps. Sur 120 mètres potentiels dans l'eau, le protégé de Bob Bowman en a fait plus de 100 mètres. Son dauphin et partenaire d'entraînement, l'américain Carsten Foster, celui qui buvait la tasse soi-disant tout à l'heure, n'a tenu que 81 mètres. C'est 20 mètres de moins que Léon Marchand sous l'eau. Bis repetita lors de son sac en 200 mètres papillon. Aux 50 mètres, Léon Marchand pointait en 5e position et après le virage, il avait quasiment repris la tête. Un sacré avantage lorsqu'on sait qu'il y a moins de résistance sous l'eau qu'à la surface. Voilà. Alors lui, il explique aussi que les coulées il explique aux Parisiens, les coulées, ça fait vraiment mal aux poumons et aux jambes, et donc il pousse vraiment sur la coulée, en général, en finale, et il se retient un petit peu en demi et en quart. C'est incroyable. J'ai la ref de la blague de Brie-Pain à l'instant, Bob Bowman contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier, je valide. Strange Vador R, merci pour le prime, et je vous lis. Bob Bowman contre tout chacal, nanana. J'ai pas triché, hein. Longueur, j'ai pas triché. Non, ligne droite, non. Ah, certains me proposaient ligne droite. Oh bah non, fallait pas bannir. Oh bah non. Non, le message de Tyler Locke, il était pas. Tyler qui nous disait que les Américains sont meilleurs que Marchand a voulu nous expliquer son point de vue, ça se respecte. Les Américains se préparent aux Jeux, donc certains sont pas là aux Mondiaux. Non, ben non, non. Les Jeux, c'est dans un an. Aucun athlète va faire l'impasse sur... Pardon, hein, je suis pas un grand spécialiste de sport, mais Tyler,
aucun athlète va faire l'impasse sur les championnats du monde sous prétexte qu'il prépare les Jeux. Les Jeux, c'est dans un an. Tu me dirais, il y a une semaine entre les deux dates, pourquoi pas. Mais à ce niveau-là, les mecs, ils enchaînent parfois à 40 minutes d'affilée deux finales, quoi. Donc non, c'est impossible. C'est juste le meilleur du monde, quoi. Ah, il a fait un message après qui n'était pas sympa. Ah, pardon. Attends, je vais regarder. Ça défouraille sec, là. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté? T'as alors des bêtises? Oh, il a dit oui, oh non, ça va. Ça va, ça va. Oh, oui, oh, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Il défend son point de vue, il a eu un petit mot maladroit. Ça va, ça va, ça va, ça va. Comme le dit inspecteur OBS, c'est pas respectueux, mais ça va. Ça va, c'est pas parce que... Je me suis un peu moqué de Tyler tout à l'heure. Pas très gentil de ma part, d'ailleurs. Pas la peine de lui tomber dessus, hein. On est cool, on a le droit d'avoir des opinions différentes, là. Même si je suis pas d'accord avec l'analyse de Tyler, là-dessus. Hein, voilà. Tu nages, Samuel Etienne? Oui, un peu. J'ai fait du triathlon. C'est pas mon point fort, hein. Je suis pas rapide, je suis pas puissant. Je peux nager longtemps, je nage pas vite. Mais c'est vrai qu'en... notamment sur le format XXL du triathlon, bon, comme il faut faire un moment 3,8 km de natte en mer, tu es obligé de le bosser un petit peu, donc j'ai un peu nagé, mais je n'ai pas un très très grand niveau de natation. Non, je n'ai pas fait 4 Ironman, Franck, j'ai fait 3 Ironman. C'est très gentil de booster mon CV sportif, mais je n'en ai fait que 3 et j'en suis bien incapable aujourd'hui. Merci Steph le Sta pour le 3e mois d'abonnement. Voilà. Non. Moi, je suis open. Moi, je pense qu'il faut tendre la main aux gens et que parfois, oui, les mots dépassent la pensée. On peut être un peu violent, mais c'est pas complaisant de ma part. Faut être cool. Voilà. En tout cas, je vous conseille le triathlon. C'est un super sport. Voilà donc pour Léon Marchand, donc à suivre. Merci Strange Vador, c'est super gentil. Merci pour ton message qui me fait bien plaisir. Et donc grâce à vous, j'appelle ça l'info augmentée, quand du chat viennent des infos qui sont encore plus complètes que ce que je peux lire dans les journaux ce matin, ce qui me semble pourtant une bonne source d'actualité. Et bien donc j'apprends qu'il y a une finale en relais en début d'après-midi là, et peut-être que Léon Marchand, pas en individuel mais en équipe, peut gagner une nouvelle médaille. Donc on va suivre ça, merci en tout cas. Le Monde et Le Figaro et Libération consacrent tous les trois leur une au coup d'état, au coup de force comme le dit Le Monde, qui vient de se dérouler au Niger. Au Niger, le coup de force qui déstabilise le Sahel, c'est la région, c'est la une du Monde. Le chaos au Niger qui achève de déstabiliser le Sahel, c'est la même idée qui est en une du Figaro. Et je vous montre la une de Libération. La contagion du putsch. Pourquoi contagion? Parce que après le Mali et le Burkina Faso, eh bien le coup d'État en cours depuis mercredi, il est en cours, hein, c'est encore un petit peu flou ce qui se passe dans le pays, contre le président Mohamed Bazoum, est un nouveau signe de recul démocratique, estime Libération, dans la région, donc le Sahel, et fragilise encore un peu plus la présence française dans la région, puisque la France s'est retirée de certains pays et actuellement est militairement présente dans ce pays, le Sahel. Ça va sans doute bouger. Nobjab, merci beaucoup pour le... Oh. Eh ben bon courage pour la reprise de l'entraînement au tir à l'arc, et merci pour 5e mois d'abonnement, c'est adorable. Certains se pose la question, et c'est une bonne question, de savoir si la Russie, si notamment la milice Wagner sont derrière. Interrogation de DG Romain, de Rajet, on va en parler. Pour l'instant, pas de certitude là-dessus. Donc, trois journaux feront leur une là-dessus. Je commence par Libération, qui se désole de cette éclipse démocratique et qui va nous rappeler pourquoi, en fait, c'est important ce qui se passe là-bas, et c'est important de le suivre. En 48 heures, le Niger a donc vécu un virage à 180 degrés. Des officiers semblent avoir renversé le pouvoir en place. Mohamed Bazoum, donc c'est le président actuel, hein, est le premier président du pays nigérien
pas nigérian, hein, nigérian, c'est le Nigeria, nigérien pour le Niger. C'est le premier président nigérien à être arrivé au pouvoir à l'issue d'une succession électorale pacifique. Depuis l'indépendance de 1960, l'histoire du pays s'était surtout écrite à coups de trique, l'armée toujours en embuscade d'un État structurellement faible. L'élection de Bazoum était censée ranger définitivement les militaires dans leurs casernes et le pays dans le clan des démocraties. Dernier allié de poids des Occidentaux au Sahel, porteur de résultats dans la lutte contre l'expansion djihadiste, il était considéré, ce président, comme un pilier de stabilité de la région jusqu'à mercredi prochain, jusqu'à mercredi matin, donc, puisque mercredi matin a débuté ce coup d'État. Donc voilà pourquoi il est important de se pencher sur ce qui se passe au Niger, puisque la présidence de Mohamed Bazoum était considérée comme une forme d'espoir de stabilité sur un plan démocratique. C'est ce que nous explique Libé. Libé qui nous dit que c'est encore un peu flou sur place. Peut-être que depuis l'envoi de Libération aux rotatives à l'imprimerie hier, les choses ont un peu évolué. Mais selon les dernières informations qu'avait Libé hier soir, le président Bazoum reste séquestré actuellement à la présidence, refuse de céder. Jeudi soir, donc c'était hier soir en début de soirée, il n'avait pas signé de lettre de démission. Voilà. Bon. Mais il semblerait quand même que ce coup d'État a réussi ou semble sur le point de réussir. Ninou 105, merci beaucoup pour ce très gentil message et ce 11e mois d'abonnement. Est-ce que la Russie et Wagner seraient derrière? On va se poser la question, Zeratul, dans un instant. Salut Héraclès. Donc après Libération, Le Monde qui consacre également sa une à ce coup d'État. La situation reste très confuse, nous dit également Le Monde, comme Libération à Niamey. Un porte-parole des officiers impliqués. Pourquoi ce coup d'État? En tout cas, comment il est motivé? Expliqué par les putschistes, un porte-parole des officiers impliqués, puisque c'est un coup d'État militaire, vous l'avez compris, a dénoncé à la télévision la dégradation continue de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance économique et sociale. Les putschistes ont décrété la fermeture des frontières, instauré un couvre-feu et mis en garde contre d'éventuelles ingérences extérieures. La France s'inquiète actuellement de la crise dans ce pays allié où est installé le cœur de son dispositif de lutte dans la région contre les groupes djihadistes. Lisons l'article du Monde. Hop, c'est page 2 dans la dernière édition du journal. Hop, petite hydratation. Salut Splek et bon courage au boulot. C'est parti. L'article est pas mal fait aussi. La scène est désormais bien connue des téléspectateurs ouest-africains. À la télévision nationale, les programmes sont tout à coup interrompus et des militaires en treillis apparaissent sur le petit écran pour proclamer la destitution du président. Après le Mali, secoué par deux coups d'État en 2020 et 2021, le Burkina Faso où deux putschs ont eu lieu en 2022, c'est au Niger voisin que des soldats mutins ont annoncé avoir pris le pouvoir. Scénario qui était redouté depuis des mois par les alliés du président Mohamed Bazoum, au premier rang desquels la France, qui avait redéployé dans ce pays, donc le Niger, le cœur de son dispositif de lutte contre les groupes djihadistes. Si la chute de Mohamed Bazoum se confirme, vous voyez que les journaux sont prudents pour l'instant parce que ce coup d'État est en cours, la France et les États-Unis perdraient alors un de leurs derniers alliés en Afrique de l'Ouest. Le Niger est l'un des partenaires stratégiques avec le Tchad dans cette lutte contre les groupes djihadistes, alors que le sentiment anti-français, vous le savez peut-être, n'a cessé de progresser dans la région. Azabis, bon télétravail à toi. Après avoir été contrainte de quitter le Mali, c'est donc au Niger qu'a été redéployée une part non négligeable des effectifs de l'armée française de la défunte opération Barkhane. Aujourd'hui, au moins 1500 militaires français sont implantés sur une base à Niamey, sans compter les forces spéciales, puisqu'on n'a jamais, en général, les chiffres des forces spéciales, avec notamment des avions de chasse ainsi que des drones Reaper. Alors que certains regards, et vous êtes plusieurs à en parler, merci beaucoup Griotte pour ce 21e mois d'abonnement, merci Coréal pour ce 3e mois d'abonnement, alors que certains regards se tournent vers la Russie, comme à chaque nouveau putsch désormais sur le continent africain, plusieurs sources françaises assurent qu'il n'y a pas à ce stade d'éléments permettant d'impliquer Moscou ou son bras armé, donc la milice, la société Wagner,
Il va falloir qu'on creuse, dit-on, du côté des diplomates français. Donc il y a des soupçons, des interrogations, mais il n'y a pas de certitude pour l'instant. Je remercie Marco Leptic qui écrit dans le chat, ça me fait plaisir, quel plaisir d'être payé au travail pour regarder ce stream. Je vous lis un petit peu et après on passera au Cambodge là-dessus. Je pense que dans les prochains jours on reparlera du Niger, hein, c'est sûr. Vous êtes plusieurs à me dire et à vous demander pourquoi les journaux ne parlent pas de l'uranium au Niger, qui est notamment exploité par les Français. Alors c'est vrai que les articles n'en parlent pas. Et bravo. Article de France Info. Voilà, franceinfo.fr. Lutte contre le djihadisme, immigration... Uranium, bravo à vous, info augmentée, ça vient de vous. Pourquoi la tentative de coup d'État au Niger préoccupe particulièrement la France ? France Info en parle, mais ça n'est pas présent dans les articles que j'ai lus dans la presse écrite, effectivement. On va aller sur l'uranium. Hop ! Inquiétude parce que Paris y possède donc au Niger des intérêts économiques et énergétiques. Au-delà de la question sécuritaire, la France détient des intérêts économiques au Niger. La question de l'uranium, bravo à vous, est loin d'être négligeable. Le pays est le troisième producteur, ah ouais, d'uranium au monde. Ce minerai est essentiel au fonctionnement des centrales nucléaires. Vous savez que les centrales nucléaires sont nombreuses en France. Pendant plus de 40 ans, Orano, quelqu'un me parlait de la société dans le chat, je vous dis bravo. L'ancien Areva a exploité des mines d'uranium, y laissant d'ailleurs des tonnes de déchets radioactifs. L'entreprise Orano est toujours investie dans plusieurs mines sur place et travaille sur un autre projet, la mine de demain. Ok. Ok. Bravo. Bravo. Mais a priori, comme le dit Pink Unicorn KO et France Info semble le dire aussi, la majorité de l'uranium utilisé en France ne vient plus du Niger. Ouais. Voilà, ah putain, c'est incroyable. C'est l'avantage de, voilà, d'être plusieurs milliers à parler d'actualité et pas être tout seul. Là, par exemple, il y a Zag qui dit Orano a diversifié ses sources. La perte du Niger serait chiante, mais pas dramatique, sachant que la France a déjà d'énormes stocks. Bon, je veux pas vous flatter, mais voilà, là, vous me donnez des infos, notamment sur l'uranium nigérien, qui ne sont pas présentes dans les journaux que j'ai lus ce matin. Voilà, bravo, qu'on vient de vérifier sur franceinfo.fr. Bravo. Jean Valdu précise, c'est seulement un tiers, ah quand même, hein, un tiers de l'approvisionnement de la France. On a environ 4 ans de stock d'uranium qu'on peut acheter aussi au Canada, au Kazakhstan. Kazakhstan qui me donne 20-20, qui me donne les chiffres. Le premier producteur mondial, Kazakhstan, 35% du total mondial. Canada, 16%. Australie, 10%. Niger, 7%, presque 8%, donc qui ne serait pas le troisième, mais qui serait le quatrième selon tes chiffres. Seiko Sensei nous pose une colle. Capitale du Kazakhstan, c'est pas Astara, un truc comme ça. Kazakhstan. Donnez-moi. Astana. Presque, allez. Pas mal, hein? Voilà. J'avais hasta la vida, mais c'était pas ça. Astana. C'est pas, d'ailleurs, c'est hasta la vista, c'est pas hasta la vida. Je suis con. Bon, pardon. Battlefield Grandma, il faudra m'expliquer d'où vient ce pseudo. Merci beaucoup pour ce très gentil message et ce sixième mois d'abonnement. Romistigri, c'est beau aussi. Merci pour ton prime. Ouais. Avec le nouveau nom d'Astana qui est Nour Sultan, me dit Cyril. Ok. Nour Sultan. Ok. Joe, tu es papa, donc tu fais des blagues de papa. C'est vrai. Il y a Zeratul qui dit on dirait presque que Samuel présente un jeu de culture générale. Non ! Jamais ! Moi vivant, jamais !
je ne présenterai un jeu de culture générale. Non, faut pas tout mélanger. Bon, voilà pour le Niger, on y revient dans les prochains jours. On va au Cambodge. 2023. Je vous posais la question tout à l'heure. Battlefield Grandma répond à notre question. Pourquoi ce pseudo? Parce que je suis une personne qui fait beaucoup de traquenards sportifs, mais je dors très très tôt. Ok, d'accord, ok. Est-il possible en 2023 qu'un père au pouvoir, donc qui dirige les destinées d'un pays, puisse laisser les commandes du pays à son fils? Le truc super démocratique, hein, vraiment. Oui, au Cambodge, c'est ce qui se passe, c'est ce qui vient de se passer. Hun Sen, qui est premier ministre du Cambodge depuis très 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 longtemps, on va voir, vient d'installer son fils à la tête du pays. Ok, c'est juste surréaliste. En annonçant sa démission en direct à la télévision mercredi, le premier ministre cambodgien Hun Sen, 70 ans, a entériné la transition à laquelle il préparait le pays depuis 2020. Son fils aîné, le général Hun Manet, donc Hun Manet, fils de Hun Sen, qui est un militaire, qui a été élu député à Phnom Penh le 23 juillet, va donc prendre la tête du gouvernement le 22 août. Le scrutin du 23 juillet, parce qu'il y a eu élection quand même. Si c'est démocratique, alors tout va bien. Alors. Le scrutin du 23 juillet avait été taillé sur mesure. Bon, ça a été un peu arrangé tout ça, vous vous en doutiez. Pour assurer cette succession dynastique, en ne lui conférant qu'un mince vernis de légitimité. La seule formation d'opposition, il n'y en a qu'une, crédible, avait été disqualifiée, ok. Et le parti du peuple cambodgien, le PCC, le parti de Hun Sen, a remporté 120 sièges sur 125. Bon, ok. Donc, voilà l'élection démocratique, quoi. Premier ministre sans discontinuer depuis 38 ans, 7 mois et 8 jours, comme il l'a énoncé mercredi. Le gars Hun Sen, il est au pouvoir depuis 38 ans, 7 mois et 8 jours. Et en plus, il en est fier, parce qu'il compte. Il compte les jours, hein. Donc là, il a décidé de passer la main à son fils. Il a fait d'ailleurs cette longévité une fierté. Hun Sen, c'est pas terminé, garde la main. Garde la main. Je lisais un commentaire sur le parallèle avec la France, ça me fait toujours marrer. Ça, quand les gens disent, ouais, bah, c'est comme en France, hein. Oh putain, fatigue. Pardon. Ah. C'est pareil. Oui, bien sûr. C'est pareil, c'est kif kibourico. En fait, en comparant des choses qui ne sont pas comparables, du coup, l'argument, il perd toute sa... Bon, évidemment que le système politique et démocratique français peut être critiqué à plein de registres, sur plein de points. Mais quand vous faites ce genre de parallèle, du coup, c'est tellement énorme que ça disqualifie votre propos. En fait, c'est dommage parce que vous, en le formulant de façon un peu plus mesurée, ce serait plus intéressant, mais évidemment, ça n'a aucun sens. Pardon, du coup, j'ai perdu le fil de mon propos. Alors, je reviens à Hun Sen. Oui, c'est pas tout, parce qu'il laisse la main à son fils officiellement, mais en fait, il garde la main en coulisses, c'est pas terminé, puisqu'il demeure président du parti, du PPC. Il va continuer à présider le conseil de la couronne, qui est l'organe en charge de la désignation du roi. Le mec, il a la main sur tout, hein. Et il a confirmé qu'il va prendre la présidence du Sénat, un poste qui fera de lui le régent en cas de vacance du trône. Donc si le roi venait à mourir, c'est lui qui a la main, quoi. À 45 ans, Hun Manet hérite d'un régime qui reste une démocratie formelle, hein, mais a pris un tournant très autoritaire après les élections de 2013, lors desquelles le score de l'opposition a été vu comme une menace à l'époque par le parti au pouvoir, le PPC, tout en basculant dans l'orbite chinoise. Les frères et sœurs de Manet, c'est pas terminé. Donc vous avez le père qui a été genre 30 ans au pouvoir, qui laisse la main à son fils. Vous vous dites, c'est quand même énorme. Mais non, mais c'est rien du tout, c'est pas terminé. Les frères et sœurs de Manet occupent tous les postes clés au sein du régime. L'une des filles de Hun Sen contrôle les participations de les familles dans les médias et dans de nombreuses grosses entreprises. Un autre enfant, un autre fils est le chef des renseignements militaires. Et le numéro 2 de l'armée, j'adore, parce qu'il y a Joe Cadon qui dit, mais quel parent ne veut pas le meilleur pour ses enfants, j'adore. Et un troisième enfant, un troisième fils, doit occuper le poste de ministre de la fonction publique. C'est totalement surréaliste. Je vous lis un petit peu et puis je vous lis la fin de l'article après. Joe Cadon, elle est pas mal tavane quand même. Donc quelqu'un me dit, ah ben si c'est pareil en France, c'est la famille Le Pen. Et quelqu'un répond, je ne le ferai pas mieux, mais depuis quand les Le Pen sont au pouvoir?
Ça n'est pas la même chose, ça n'est pas comparable. Le Cambodge complètement gangrené par les mafias chinoises, me dit Val Taïwan, et c'est vrai, l'article du Monde en parle. J'étais au Cambodge l'an dernier, me dit Jean, VDG, pays magnifique, c'est vrai. Mais les conditions pour les locaux sont horribles, c'est le pays avec le plus d'enfants autour de 5 ans qui travaillent. Et je lis la fin de l'article du Monde, qui évoque certains des aspects d'ailleurs qui étaient évoqués dans le chat à l'instant. L'un des enjeux, maintenant parlons de la situation économique et sociale au Cambodge. L'un des enjeux pour Hun Manet sera d'améliorer la qualité d'une croissance économique qui est assez spectaculaire, hein, vue de, en tout cas de France, plus 7,7% en moyenne de 1998 à 2018. Mais une croissance dont l'effet est atténué par une explosion des inégalités et de la corruption. Si les tours, les magasins de luxe poussent comme des champignons à Phnom Penh, où il n'est pas rare d'apercevoir dans la rue des Rolls-Royce ou des Lamborghini, 75% de la population cambodgienne vit dans les campagnes. Le Cambodge est classé à la 150e place des pays les plus corrompus par l'ONG Transparency International. 1% de la population accapare 16% des richesses, 10% de la population en détient 45%. À la fin de l'article, il est évoqué la page Facebook du nouveau maître du pays, Hun Manet. Son dernier post à 3h du matin, mardi, montre le futur Premier ministre se prenant en photo dans le miroir face à lui, assis en short et en t-shirt sur un banc de musculation, de gros haltères posés devant lui, manière peut-être, se demande Brice Pedroletti du journal Le Monde de signaler qu'il sera lui aussi, comme son père, un homme fort. Florent Signol était au Cambodge l'an dernier, même constat que Jean VDG, ça fait mal au cœur. Alors 53 de rien dit, parce que certains tiennent absolument à faire des parallèles entre le Cambodge et la France. Le parallèle qu'on pourrait faire avec la France, c'est les successions dynastiques dans les grandes entreprises qui ont une influence médiatique et s'en servent pour véhiculer une idéologie. Coucou Bolloré, puisque c'est vrai que Bolloré, comme d'autres d'ailleurs, place ses enfants à des postes clés. Rappelons que d'abord, une entreprise n'est pas l'État, et que par ailleurs, une entreprise n'a à rien de démocratique, puisque c'est pas vous, ce sont pas les électeurs ni même les salariés qui choisissent leur patron dans une société capitalistique, mais tout simplement le patron qui décide ce qu'il veut. Voilà, donc c'est le je comprends le parallèle, mais ça ne renvoie à pas grand chose, quoi. Ok, donc ça, c'est le Cambodge. Et on reste à l'étranger, on va aux États-Unis. Merci beaucoup Sarah 314 pour ce 19e mois d'abonnement. On va se pencher sur le système de santé américain. Bon, il est un peu particulier, il est Samuel Oura, bien sûr, les coopératives, justement, c'est un autre système. Tout à fait, c'est pour ça que je parlais de société capitalistique. Alors, le système de santé américain est très différent d'une autre, vous le savez. Confirmation avec ce dossier de la Croix, les chiffres sont juste hallucinants. S'endetter pour se soigner aux États-Unis, c'est le lot, c'est le quotidien de près d'un Américain sur deux qui est aujourd'hui endetté à la suite d'un passage à l'hôpital. Vous imaginez, ainsi en France, un habitant sur deux était endetté parce qu'il a été malade ou parce qu'il a dû aller à l'hôpital. L'endettement
global des Américains et des Américaines parce qu'ils sont allés à l'hôpital, il est de 200 milliards de dollars. Et la Croix s'étonne que la question ne soit pas plus présente dans le débat politique aux États-Unis. Je lis ce résumé. La moitié des Américains contractent des dettes pour se soigner, avec des montants atteignant parfois pour un individu des dizaines de milliers de dollars. Malgré la réforme de la santé de Barack Obama, vous vous en souvenez peut-être, 8% des Américains vivent toujours sans filet en cas de problème de sécurité. Si le coût des dépenses de santé est considéré comme un problème majeur pour les électeurs américains, cette question reste à la marge de la campagne présidentielle de 2024, puisque l'an prochain, 2024, il y aura une présidentielle aux États-Unis. Quelques chiffres. Près d'un Américain sur deux doit de l'argent à un hôpital, à un médecin libéral, à un dentiste. Dans plus de la moitié des cas, l'ardoise est comprise entre 1 000 et 10 000 dollars pour un montant global évalué, je vous le disais, à une somme qui est astronomique, qui est de 100 milliards de dollars. Avec la réforme de la santé de Barack Obama, le nombre de personnes dépourvues d'assurance médicale a très fortement baissé aux États-Unis, atteignant un plancher historique, mais vous avez toujours 8% des Américains qui vivent sans filet de sécurité en cas de pépin de santé. Il y a Ferdinand qui nous écrit, qui a fait un... Quoi ? Ah oui, bien sûr ! Qui a fait un AVC à Bordeaux, donc en France. À l'époque, 15 jours à l'hôpital, 10 en réa, je coûtais 10 000 euros par jour. Heureusement, on a la sécurité sociale et je n'ai rien eu à payer. C'est la solidarité qui est mise en place en France au niveau de la santé. Ça s'améliore aux États-Unis, mais pas encore assez, constate la Croix. Pour les soins primaires, vous avez des centres gratuits qui existent, mais qui sont en nombre insuffisant. Pour le reste, direction les urgences. Assuré ou pas, aux urgences, les patients doivent être pris en charge, mais après, eh bien, on vous envoie la facture. Factures qui peuvent grimper très vite. Aux États-Unis, tomber malade, peut être un luxe. Rester en vie à un prix, comme pour cet homme, c'est un exemple, qui a quitté son lit d'hôpital avec une dette de 150 000 dollars parce qu'il avait passé plusieurs mois en soins intensifs. Il a dû renoncer entre-temps à son projet de mariage parce qu'il n'avait plus de sous. D'autres chiffres. Selon le site du gouvernement fédéral, donc c'est une info qui est un peu carrée, remettre d'aplomb, soigner une jambe cassée peut coûter jusqu'à 7 500 dollars. T'imagines, t'es dans la rue, tu glisses, tu te pètes la jambe, tu te dis putain j'en ai pour 7 500 dollars. C'est ouf, non ? Le coût moyen de 3 jours d'hospitalisation aux États-Unis est d'environ 30 000 dollars. 30 000 dollars. C'est fou. Et les accouchements, bah c'est, je pense que c'est pareil. Récemment, je parlais avec une jeune femme, une jeune française infirmière qui avait envie de voyager un petit peu et pourquoi pas de travailler à l'étranger et qui disait à son compagnon, moi je ne veux pas aller au Canada, là pas maintenant, parce que c'est un jeune couple qui a des envies de bébé, qui dit, moi je ne veux pas payer 10 000 dollars pour un accouchement au Canada. Donc allons voir le prix d'un accouchement aux États-Unis. Je n'ai pas ce chiffre dans le dossier de la Croix, mais c'est une vraie question. J'espère que c'est genre gratuit quand même. Ok. Donc là, j'ai une source qui est celle du Petit Journal, qui est un excellent journal pour les jeunes, les enfants. En moyenne, il vous faudra compter entre 20 000 et 50 000 dollars aux États-Unis pour un accouchement, auquel il faudra ajouter le prix des consultations pré-accouchement, ainsi que les éventuelles consultations post-accouchement. Oh. Oh oh. Expat Assurance confirme entre 20 000 et 50 000 dollars un accouchement. Là, vous avez en 2021 une femme qui a reçu une facture de plus de 500 000 dollars pour la prise en charge de son fils qui était né prématuré. Poi, 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 poi. Hein? C'est fou, hein. VOD Samuel, notre ami de la chaîne YouTube
Samuel Etienne nous dit autant faire des jumeaux si c'est deux pour le prix d'un. À moins qu'ils fassent x2 pour la facture, ils sont bien capables. C'est incroyable. Mais du coup, comment les personnes à faible revenu font? Ben, je ne sais pas. Volontiers. Ou ils s'abstiennent, ou alors ils s'endettent. American Dreams, disent certains. La sécurité sociale, c'est bien, hein, dit L11 Nemesis. Même l'ambulance est payante, me dit Cassé Anders. Décadrague me cite Sylvain Tesson, l'écrivain. La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Je connaissais effectivement cette phrase. Sarah 314, merci pour le 19e mois d'abonnement. Et est-ce qu'il reste quelque chose à vous lire dans cet article? Oui. Dans un pays où le crédit, et c'est pas tout, je vous remets l'article de La Croix, c'est à lire dans La Croix, hein. C'est le gros dossier de La Croix aujourd'hui, si ça vous intéresse. C'est pas tout parce que bon, il y a le, parce que ça coûte la santé, le fait de devoir s'endetter éventuellement si on tombe malade, quoi. Et c'est pas tout puisque il y a le fait que ça vous fragilise aussi si vous voulez emprunter de l'argent pour acheter une maison ou une voiture. Dans un pays où le crédit est roi, écrit La Croix, où chaque habitant est noté par des organismes privés pour la gestion de ses remboursements, traîner des impayés est par ailleurs un véritable handicap. Avoir des dettes, c'est être harcelé parfois jusque sur son lieu de travail, c'est aussi avoir plus de mal pour accéder à des crédits, par exemple pour acheter une voiture. Voilà. Alors vous lirez si ça vous intéresse aussi, page 3 dans La Croix, le fait que la santé, qui est pourtant une préoccupation majeure des Américains, est étrangement assez absente de la campagne présidentielle de 2024. Hein. La campagne a déjà débuté. Voilà. Donc La Croix qui s'étonne que sur les estrades et les plateaux de télévision, il n'est question que de hausse des prix, d'inflation, de crise à la frontière mexicaine, ou encore de wokisme, alors que si on en croit les sondages, l'une des préoccupations majeures des Américains est bien la santé, et ça depuis toujours. Voilà, si ça vous intéresse, c'est à lire aujourd'hui dans La Croix. Merci Roudoudou pour les bits, c'est super gentil. J'aime bien la réponse dont dit Jeanne à la citation de Sylvain Tesson. Les Français ne râlent pas parce qu'ils se croient en enfer, ils râlent pour conserver leur paradis. C'est joli. D'où le fait de défendre notre système, car ce genre de choses peut arriver plus vite qu'on le pense. Écrit Crimson, que j'espère que tu vas bien, dans le chat. Ouais, Dapuki va dans ce sens aussi. On vit dans un paradis, une minorité veut le transformer en enfer. Excellent journal La Croix, je suis d'accord avec toi. Alors, qu'est-ce qui reste? Je sens que je vais me faire un petit café pour relancer la machine. Ah, qu'est-ce qui reste à vous lire ce matin? C'est super intéressant ça. C'est un de mes papiers préférés ce matin. Allez, c'est peut-être mon papier préféré parce que ça fait quelques mois, quelques années que je vois passer des papiers sur les colonies de vacances en France. Colonies de vacances qui envoient en vacances beaucoup moins d'enfants, d'adolescents qu'il y a quelques décennies. Voilà. Pourquoi ? Eh bien justement, le dossier de Libération l'explique bien. Pourquoi ? Le pourquoi. Et puis, pourquoi c'est dommage ? Ça, Libération l'explique bien aussi. Donc du coup, aujourd'hui, vous avez une prise de conscience de la société et notamment des politiques qui commencent à faire des propositions peut-être pour relancer les colonies de vacances. Donc il y a un dossier dans Libération que je trouve vraiment bien fait. Et puis on lira aussi un petit point sur la grève des journalistes au journal du dimanche. On se penchera sur cette dinguerie. Les scientifiques australiens qui marient puces électroniques et neurones humains. Ok, c'est pas de la science-fiction, c'est complètement fou. Et puis on se penchera sur, c'est très important bien sûr, le plus vieux pénis sculpté de l'histoire de l'humanité. Ne me demandez pas pourquoi je vous parle de ça, j'ai aucune idée, mais je sais pas. Je pense que j'ai trouvé ça rigolo. Complètement sénile, Samuel Etienne. Hop, je vous cale les colonies de vacances. Je vous mets
3 minutes de musique les abonnés, un petit coup de pub ceux qui ne sont pas abonnés. Et je vous mets qu'est-ce que je veux, tiens, on essaie ça, c'est bien ça. Pardon les oreilles, j'avais pas baissé le son de la natation tout à l'heure, je suis confus. Ça va bien ça. J'adore, ok. Je le like, je le mets dans mes favoris parce qu'en fait j'ai une nouvelle playlist de chansons de musique libre de droit puisque celle de Twitch n'existe plus. Du coup je me mets au fur et à mesure des petits morceaux de côté. Oh, je l'ai... Merde, oui. Ouais, c'est celle-là, ok. Pardon. Hop. Émirante, merci pour le 17e mois d'abonnement. Je vous mets ta petite pause musicale. Et on se retrouve dans 3 minutes avec, je relance, hein, un petit café que je vais éviter de renverser celui-ci. Et puis on lira tous ces articles. Merci d'être avec moi, ça me fait bien plaisir. Où est-ce qu'il faut que j'appuie là ? Et où la musique ? Merde, je crois que c'est ça. Ouais, à tout de suite. Merci d'être là. Bien ce titre, j'aime bien mettre de côté pour ma playlist. Pardon, je suis en train de manger des céréales. Pour remettre un peu de sucre dans la machine. Mmh. Mmh.
Un dernier petit coup. Un peu de sucre, un peu de café. Et c'est reparti. Non, c'est pas du Chocapic, c'est genre de Cruesli bio. Oui, j'avais le ventre qui gargouillait, je sais. Et ça consomme de l'énergie, dans les journaux. Hein. Et hop là, c'est moi en gros. Enfin, je me suis remis au sport. Où est-ce que je me mets mes céréales là? Un petit coca pour rincer un peu tout ça. De façon élégante, hein, s'il vous plaît. Parce que ici, on est entre gens civilisés. Ah, encore un petit coup. Encore un petit coup. Ah, ça fait du bien. Ah, ce goût de café qui envahit la bouche là. J'ai arrêté le café crème sucrée. Je me suis remis à l'expresso là. Ouais. Bon, petite page de pub. Autopub, c'est parti. Séquence melon. Merci d'être sur Twitch avec moi. Sachez que je suis très très fier, très heureux de vous annoncer que depuis lundi, j'ai lancé une revue de presse sur TikTok. Et ouais, ma poule, une revue de presse express. Au lieu que ça dure 2-3 heures comme ici, eh ben ça dure genre 6-7 minutes. C'est sur TikTok, je poste ça tous les matins vers 8h30. Donc ça, c'est cool pour ceux qui n'ont pas 2-3 heures à me consacrer ou qui, certains jours, ne peuvent pas être avec tout. Eh ben vous avez la petite revue de presse express sur TikTok. C'est comme ici, mais c'est en plus court. Donc ça, je suis assez content de ce truc. N'oubliez pas que vous retrouvez tous les replays de cette chaîne Twitch, les hebdo Etienne qui vont reprendre vendredi, les samplays qui vont commencer le dimanche soir à partir de la fin août aussi. Toutes les revues de presse, les matinées Etienne, les rencontres Etienne, l'exposition Etienne dans les musées, tout ça, c'est sur ma chaîne Twitch, gratuitement en replay. C'est géré par Mathieu. La revue de presse, là, par exemple, que vous regardez ce matin, elle est en rediff, en replay, gratuitement, à partir de 13h sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça y est, tout vient de s'afficher. Là, vous avez mon compte Twitter, mon compte Instagram et mon compte TikTok. Et mon compte YouTube aussi. Voilà. Ouais. Voilà. Salutations entre Rennais. Caroline ! Caro, linge propre. Je l'ai. Voilà. Ouais, donc voilà, donc ça c'est la page pub, c'est terminé. Maintenant on va parler de colonies de vacances. Tu vas faire un sondage pour commencer. Qui a fait des colonies de vacances ici? Salut Baliboum. On appelle une chanson, ça, Baliboum. Balibalo sur son vélo avec sa femme et son cochon. Dès que sa femme tournait la tête. Après je peux pas vous dire la suite. Qui est déjà parti? Vous connaissez la chanson Balibalo? Qui est déjà parti en colo? Ah bah, en colo, je pense qu'on chantait ce genre de questions. Chanson. On va faire simple, on va faire oui, non, je ne sais pas. C'est-à-dire, si, bon, après, le mec qui me dit je ne sais pas si je suis parti en colo, c'est. Ouais, parce qu'une fois, mes parents m'avaient envoyé dans un truc, mais en fait, c'était une secte. C'était dans le Jura, et je suis resté 15 ans, donc est-ce que c'est vraiment une colo? Dans ce cas-là, vous mettez je ne sais pas. Hein? Vous n'êtes pas sûr. Qui est déjà parti en colo? Oui, non, je ne sais pas. Ça m'intéresse de savoir. Tiens, let's go. Bam, 2 minutes. Bali Balo sur son vélo avec sa femme et son cochon. Dès que sa femme tournait la tête. Je peux pas vous sentir la suite. Vous connaissez la chanson? Pardon. Ouais. Ça compte le scoutisme comme colo? Non! Le scoutisme, c'est autre chose. Oh, c'est mignon. À Lyon, nous répond colo de 5 à 18 ans. Ah, t'étais en colo de 5 à 18 ans? C'est-à-dire que tes parents t'ont envoyé en colo à 5 ans et t'es revenu chez toi, t'avais 18 ans. Ah ouais, mais c'est un peu extrême, non? Le mec qui comprend rien, tu sais. Et mon fils revient ce soir de 3 semaines de colo, la même où j'ai commencé il y a 40 ans, c'est trop mignon. Mon pseudo plaît à ce que je vois, me dit Baliboum. Baliballo sur son. Excuse-moi.
Ça compte en tant qu'animateur? Oui. Oui. Voyons le sondage, ça donne quoi? Eh ben voilà les amis. Est-ce que vous êtes déjà parti en colo? Oui, c'est énorme quand même. 53% d'entre vous, vous êtes déjà parti en colo. Voilà. Je signale à ceux qui ont hésité que la coloscopie ne compte pas. Hein. Si vous avez subi récemment une coloscopie, vous ne répondez pas oui, bien sûr. Vous dites je sais pas. 47%, vous n'êtes pas parti en colo. 2%, vous êtes 9 quand même à ne pas savoir. Donc peut-être l'hypothèse coloscopie ou alors secte dans le Jura. Et là du coup, vous êtes pas sûr, quoi. Mais quand même, il y a quand même 9 qui savent pas, quoi. Voilà. Ouais, c'est incroyable. J'aurais peut-être dû créer la ligne coloscopie. Lost in the Maze est en train de regarder les paroles de Balibalo. J'avais oublié tout ça, je suis presque choqué. N'allez pas voir les paroles de la chanson Balibalo, il y en a plusieurs d'ailleurs. Ah, les souvenirs, les bons souvenirs. Saul Wrath écrit: ma mère nous a envoyé chaque année dans la même colo pourrie. Je me souviens qu'elle nous disait chaque année que c'était une colo différente, mais en fait, non. Ah, ok. Ok, d'accord. Ok, Captain McBurney qui a pas très bon souvenir de colo. Je vais même pas vous les lire tellement c'est chaud, quoi. Voilà. Ah oui, à la demande de 434, ceux qui ont été enlevés par des extraterrestres, parce que ça arrive, hein, moi j'en connais, ça ne compte pas. Non, ça ne compte pas comme une colonie de vacances. Voilà. Océane ou je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup pour le 11e mois d'abonnement. Bon, maintenant qu'on a fait ce petit sondage, on va lire cet article de Libération sur les colos. Les colonies de vacances, d'abord je lis le titre peut-être. Rite de brassage menacé. Lieu d'apprentissage et de mixité par excellence. Les centres municipaux accueillent de moins en moins de jeunes, la faute à des coûts trop élevés et à une politique sociale insuffisante. On va revenir sur les raisons pour lesquelles il y a beaucoup moins de jeunes Français qui partent en colonie qu'il y a quelques années ou décennies. Alors, il y a une prise de conscience qui commence. Alors que la gauche se ressaisit du droit aux vacances pour tous, eh bien le gouvernement a annoncé hier, pas plus tard qu'hier, la mise en place dès l'an prochain, 2024, d'un pass colo pour les élèves de CM2. Lisons l'article de Libération. On avait un trésor qui s'appelait l'éducation populaire, on l'a détruit pour des raisons budgétaires. Mais combien ça coûte une nuit d'émeute? C'est Brahim Chiki, ancien animateur de 48 ans, qui s'interroge, qui ne peut s'empêcher de voir dans les violences qui ont récemment secoué le pays une conséquence directe du dépérissement des colonies de vacances. Depuis leur création en 1880, en même temps que les grandes lois sur l'école publique et laïque, 60 millions d'enfants ont pu connaître le bonheur de courir après des papillons, de chanter autour d'un feu de camp ou de pêcher dans un étang. Les colos de vacances, c'était les grands départs populaires, raconte le sociologue Jean Viard. Les mairies avaient un nombre massif de centres qui sont aujourd'hui, hélas, en ruine. C'était plutôt des mairies de gauche, notamment communistes, qui achetaient des châteaux dont on ne savait plus quoi faire après la guerre pour les transformer en centres pour les enfants. En 1960, le chiffre est impressionnant, 4 millions d'enfants hein, partaient chaque année en colonie de vacances, entre eux, sans les parents. Il n'était plus que 1,4 million en 2021, donc c'est moins de 3 fois moins si je me gourre pas trop sur les calculs. Un rapport récent faisait le constat parmi les publics concernés d'une disparition des enfants de la classe moyenne, qui ne bénéficient pas forcément d'aide publique, mais aussi de la montée en gamme des séjours proposés par certains comités d'entreprise qui fait que certaines familles ne peuvent plus tout simplement se les payer. La désindustrialisation du pays est aussi passée par là. Pourquoi? Parce que ça a fait disparaître en même temps que les usines la politique sociale des CE, des comités d'entreprise. Et puis ça a laminé aussi les ressources des entreprises, moins de taxes, comme on dit, d'entreprises, taxes. Ah merde, l'entreprise, elle paye la taxe. Ah! Professionnel? Taxe, entreprise, patronale?
comme on dit. Non. Patronale, ouais, peut-être. Tac, tac, professionnel. Bon, Acherna résume plein de taxes. Hein. Voilà, plein de taxes. Et laminer les ressources des municipalités qui ont donc cédé leur patrimoine trop cher d'entretien pour se tourner vers l'achat de séjours sur catalogue, sauf que c'est plus cher. Principal frein pour plus de la moitié des parents, donc le coût du séjour, on l'a compris. Le coût du séjour avec un prix moyen de 469 euros par semaine en été, ben 469 euros coût moyen par semaine par enfant en été. Bah on comprend vite que pour certaines familles, c'est juste inaccessible. Hein. Conséquence, la majorité des séjours ne dépasse pas 7 jours. Or, c'est trop court, dénoncent à l'unanimité les éducateurs. 3 semaines, c'était le temps de rompre avec la cité, de s'approprier un espace, témoigne Jacques Ranoux, qui a dirigé de 1980 à 2012 le centre de vacances de Montrem, c'est près de Périgueux. C'est très public des enfants, comme on l'appelait, où les jeunes vacanciers décidaient eux-mêmes des règles du vivre ensemble du camp, accueilli plus de 30 000 enfants de Saint-Denis. On avait un étang, on avait une cabane dans les arbres, on dormait à la belle étoile, je passais mon été à raconter des histoires. On avait même une radio où les enfants, les gamins venaient raconter leur histoire. Quand ils repartaient, ils avaient vécu une vraie aventure hein, de 3 semaines. Aujourd'hui, c'est du loisir organisé dans un espace-temps très court, regrette ce monsieur. Militant également de la rupture, comme ça, de 3 semaines, Brahim Chiki confirme le principe de l'éducation populaire, c'est que l'enfant apprend tout le temps, hein, depuis son lever jusqu'au son coucher, quand il joue, quand il mange, en colo. Or, quand t'as qu'une semaine, t'as le temps de rien faire, t'as pas le temps de t'attacher au gamin, de travailler, que ce soit sur l'hygiène ou sur la lecture. Et puis, il y avait aussi le côté brassage hein, de la colonie de vacances. La colo est un puissant vecteur d'intégration. En Dordogne, quand on visitait les châteaux, les jeunes apprenaient l'histoire de France, illustre Brahim Chiki. Ceux qui pensent que les jeunes de banlieue sont des Français de papier devraient venir voir à Montrem, dit le monsieur dont on parlait tout à l'heure. Ces gamins se sentent français, ils ont juste besoin de se sentir aimés par les adultes qui ne sont pas leurs parents. Pour le sociologue Jean Viard, on ne s'est pas occupé de l'intégration par les vacances des personnes issues de l'immigration. Donc, pour les partisans des colonies de vacances, hein, y a deux arguments forts qui sont mis en avant. Il y a le trois, je dirais même, arguments. Le fait de le côté brassage, c'est-à-dire de mettre en contact, en rencontre des jeunes issus de milieux différents et qui ne se seraient jamais rencontrés autrement. Il y a le côté on se coupe de la famille, on se coupe du quartier, on se coupe de la cité, on se coupe de la ville pour découvrir d'autres choses et d'autres choses ensemble. Et puis il y a aussi tout simplement le fait de faire partir en vacances des enfants qui sinon ne partent pas. Ça, on va y arriver dans un instant. Le chiffre arrive un peu plus tard. Le gouvernement, se demande Libération, a-t-il pris la mesure après les émeutes de l'urgence de s'occuper des jeunes des quartiers populaires? En tout cas, jeudi, c'était hier, la nouvelle ministre, après le remaniement des solidarités des familles Aurore Berger, a annoncé la mise en place d'un pass colo dès 2024 pour les enfants de CM2, un dispositif qui sera doté de 200 à 350 euros par enfant, ça n'est pas rien, qui sera dédié aux familles ayant jusqu'à 4000 euros de revenus mensuels. Au-delà de la gauche aussi s'est emparée du droit aux vacances qui était instauré par le Front Populaire, au moment où, en France aujourd'hui, en 2023, près de 3 millions d'enfants et d'adolescents ne partent jamais en vacances, selon l'INSEE. C'est 25% des enfants et des adolescents en France qui ne partent pas en vacances, jamais. Le droit aux loisirs et aux vacances est un droit fondamental parce que c'est un élément majeur de discrimination entre les mômes, dit l'ancien maire de Trappes, Ali Rabet. Il y a ceux dont les parents ont les moyens de visiter les régions de France, de découvrir d'autres pays, qui vont trouver ça normal. Et il y a ceux qui passent toute leur vie, toutes leurs vacances, au pied de leur immeuble, dont les horizons se limitent à leur quartier. Voilà. Voilà pour ce dossier que je trouve très bien fait dans Libération. Je vous lis maintenant un petit peu. C'est vrai que certains comme Daisy et Amy, moi aussi j'ai été soufflé par ce chiffre, 25% des enfants, les ados qui ne partent jamais en vacances. Panks confirme, j'ai toujours habité dans le 93, Saint-Denis, et en été, c'est fou
de voir toutes ces familles qui ne peuvent pas partir. Certaines n'ont même jamais quitté l'Île-de-France. Hugo se souvient, a de bons souvenirs, manifestement tu as été en colo, on se retrouve avec des enfants de notre quartier et d'autres quartiers, c'était vraiment cool pour faire de nouvelles rencontres. Double Cheese Gamer. Merci pour le troisième mois d'abonnement. Je vous lis. Hein. Alors après, les colos, certains ont de bons souvenirs, d'autres pas. Hein. Je vous lis, hein, ceux qui n'ont pas de bons souvenirs de colos. Méca Baron. En vrai, moi, j'aurais préféré offrir mes vacances à quelqu'un d'autre parce que je voulais rester chez moi. J'ai été obligé d'aller en colo parce qu'à l'époque, c'était la mode et ça m'a traumatisé. Maori a de bons souvenirs de colo. Ça pécho un max en colo. Ok. Alors la colonie, ça permet de sortir de son quotidien, de son quartier, pas seulement de région parisienne. Hein. Ardoise Fluo, certains n'ont jamais quitté la Creuse, pourquoi toujours parler d'Île-de-France. Ribon TV ajoute, je suis originaire de Roubaix, le nombre de potes qui n'étaient jamais allés à Lille, c'est pas loin pourtant, avant leurs 15 ans, c'est fou quoi. Allez, encore en deux messages, et puis on parle d'un truc de fou là. Ah non, on passera par le JDD d'abord. C'est bien que les enfants sortent. Un petit peu de leur cadre, c'est essentiel. Parfois, il faut obliger, dit Sandwich aux cheveux. Très mystérieux ton pseudo, Sandwich aux cheveux. Est-ce à dire que parfois tu manges des sandwichs aux cheveux ? Dans quel cas tu m'intéresses ? N'hésite pas à m'envoyer un DM. Pourquoi ? Non, pas. J'aime bien ton pseudo. Salut Marie Kigai. Merci d'être avec nous, ça me fait plaisir. Marie Kigai qui est une streameuse et qui nous écrit en référence à l'actualité récente. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que des jeunes installent des piscines et des châteaux gonflables dans les quartiers sans l'aide de la mairie. C'est leur seule source de loisirs. Merci Marie d'être avec nous. Waouh, alors là on a un spécialiste, Tequila 91. J'ai 31 ans, j'ai fait 2 colos par an depuis mes 5 ans. Horrible jusqu'à mes 13 ans. Ado en revanche c'est cool, ça permet de rencontrer des gens différents et d'être... Donc là vous voyez mes recherches techniques pour mes streams en extérieur, c'est vachement intéressant. Heureusement que j'ai pas des dingueries dans mon iPad. Hop, je reviens sur les colonies. Ça c'était de la connectique pour mes premiers streams en extérieur. Ok, allez, maintenant on va parler du journal du dimanche, du JDD. Marie, elle est trop bien, me dit Kinema Live, à propos de Marie Kigai qui est avec nous ce matin. Il y a
Et oui. Et oui, ça ne concerne pas que la région parisienne. Il y a l'affreux G.I. Joe qui nous dit « Salut Sam, je suis de Rennes, en seconde un gars de ma classe d'un des quartiers du nord de la ville. » Donc on parle de Rennes, n'avait jamais vu la mer, qui est pourtant à 45 minutes, une heure de là. Ouais. Si on va sur la côte nord vers Saint-Malo, tout ça, Dinard, on est effectivement à 45 minutes, une heure de la mer quand on est à Rennes. Merci Sanso pour ce prime. Allez, je vous raconte maintenant ce qui se passe au JDD. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais on suit... ce feuilleton avec beaucoup d'intérêt. Grève au JDD, elle se poursuit. Le JDD, si vous êtes des habitués de cette revue de presse, ben vous connaissez, c'est le journal du dimanche. C'est un journal qui est fabriqué comme un quotidien, mais qui ne sort qu'une fois par semaine et qui sort le dimanche, puisque ça s'appelle le journal du dimanche. C'est un journal qui n'a pas connu beaucoup de grèves et qui en connaît une très dure et qui dure. 37e jour d'arrêt de travail, nous dit Libération. Ce matin, la mobilisation contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune, on va revenir sur qui est Geoffroy Lejeune, à la tête de l'hebdomadaire s'intensifie. Les salariés, dont la quasi-totalité est en grève, on est sur du 97-98%, font face à une direction pour le moment inflexible et ils ont rendez-vous aujourd'hui avec le ministère de la Culture. Je zoome un petit peu, on boit une gorgée de café et c'est parti. 36 jours et la tension monte donc au journal du dimanche dont la rédaction est en grève depuis le 22 juin et la confirmation du coup de force tenté par son futur actionnaire Vincent Bolloré imposé à la tête du journal Geoffroy Lejeune, ancien dirigeant de l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles et qui pendant la dernière présidentielle, je l'ajoute, s'est signalé par son soutien qui était plus qu'affiché à l'ancien candidat d'extrême droite comment il s'appelait là ? Celui qui n'a pas fait beaucoup là. Parfois j'ai des trous. Éric Zemmour. Merci. Pour l'hebdomadaire dominical qui fête cette année son 75e anniversaire, l'arrêt de travail constitue un record. La dernière grève comparable, celle d'ITélé, je connais bien, j'y ai bossé 9 ans, en 2016, opposition déjà à l'époque à la bolorisation de la future CNews, avait duré 31 jours. Ce vendredi, donc c'est aujourd'hui, au 37e jour de mobilisation, la rédaction a donné rendez-vous dans la cour d'honneur du Palais Royal pour interpeller la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, silencieuse depuis plus d'un mois sur le sujet. Le seul ministre qui a un peu pris position là-dessus, c'est le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, et puis il a été remercié lors du dernier remaniement. Le ministère de la Culture a prévu a priori de recevoir... une délégation. Dimanche, le JDD sera à nouveau absent des kiosques pour la 6e fois consécutive. L'engagement est intact, explique un journaliste. En témoigne le pourcentage ultra régulier du nombre de grévistes, 98% jeudi, 99% mercredi, 98% mardi. Il y a eu quelques soutiens de grands écrivains comme Éric Orsenna, comme Marie Dariussec, soutien surtout de nombreux lecteurs, un élan, dit une journaliste qui soude une grande partie de la rédaction. Alors il y a l'aspect financier bien sûr, parce que qui dit grève dit absence de salaire. Du coup il y a une caisse de grève, il y a un appel qui a été lancé sur internet si vous voulez soutenir les journalistes du JDD. On est passé d'une enveloppe Kraft avec quelques billets à plusieurs milliers d'euros en quelques jours, dit un journaliste. La semaine dernière, 32 000 euros ont ainsi été distribués pour assurer un soutien financier. 100 euros par jour de grève pour les journalistes qui en font la demande. Pas de quoi pour autant impressionner les représentants de Lagardère News, l'actionnaire actuel, mais ça va changer bientôt pour Bolloré. En attendant la finalisation de la vente de l'hebdomadaire au Vivendi de Vincent Bolloré, parce que la vente est actée, mais elle doit être finalisée. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, a priori, ceux qui prennent les décisions, comme par exemple la nomination de M. Lejeune, sont plutôt du côté du groupe Bolloré, même si officiellement, ça n'est pas encore le propriétaire. Depuis le début de la semaine, la direction durcit le conflit. Lundi soir, elle a publié un communiqué annonçant, faute d'accord, la fin des négociations avec la Société des journalistes. Le lendemain, la rédaction a voté une nouvelle journée de grève, suivie de deux longues réunions pour savoir si elle devait ou non rendre publiques les raisons du retour en arrière de la direction. Dans un communiqué publié mercredi, l'équipe a donc communiqué le pourquoi de l'arrêt des négociations. La SDJ demandait... l'ajout dans la charte déontologique du journal
d'un paragraphe pour interdire la publication dans les pages du journal de propos racistes, de propos homophobes ou sexistes. Et la direction n'aurait pas accepté cette nouvelle condition. Ces négociations avaient permis dans un premier temps de repousser l'arrivée de Lejeune au 1er août. Voilà où on en est de ce conflit. Et maintenant, je vous lis. Je vous lis. Bon, il y a quelqu'un qui a évoqué les 98% de gauchistes dans un journal. Bon, je ne crois que tu n'as jamais lu le journal du dimanche, puisque le JDD est loin d'être un journal pour reprendre tes propos de gauchiste. Juste pour commenter certains propos dans le chat, si vous qualifiez de gauchiste tout ce qui est à gauche de l'extrême droite, effectivement, ça a fait beaucoup de monde, quoi. Je me permets cette petite parenthèse. Ce qui est intéressant pour que ça fait un peu rire Marie qui gagne. Merci Marie, tu es bien urbaine de rire à mes blagues pourries. Le JDD, pour dire les choses, c'est un journal qui était plutôt accusé d'être un journal qui était proche du pouvoir. Voilà. Proche du pouvoir en place. C'était pas un journal qui était forcément extrêmement critique sur le pouvoir en place, quel qu'il soit en fait, quoi. Donc c'était un reproche qu'on a pu entendre par rapport au JDD, mais pour le coup, jamais un journal de gauchiste, quoi. Voilà, bah d'ailleurs Will le dit, c'est un journal qui est considéré comme plutôt proche du pouvoir. Voilà. Battlefield Grandma confirme, c'est un journal généralement proche du pouvoir et donc du gouvernement actuel. Vous dites nombreux à avoir l'info, quoi. Alors en fait, ce qui se passe, bon, l'article de Libération ne le rappelle pas, mais on a déjà lu de nombreux articles là-dessus. Ce qui se passe aujourd'hui au JDD, c'est déjà passé dans le passé à iTélé, qui est devenu CNews, voilà. Donc il y a eu une longue grève, ça s'est traduit au final, parce que la direction de l'époque, donc quand Canal+, le groupe Canal+, a été racheté par Bolloré, ça s'est traduit par le départ de nombreux journalistes d'iTélé qui sont partis ailleurs, et après c'est devenu CNews. Et puis ça s'est passé exactement la même chose à Europe 1, là plus récemment, toujours avec le groupe Bolloré, et aujourd'hui ça se passe au journal du dimanche, quoi. Tissoleil et d'autres écrivent dans le chat à propos de, vous savez, cet ajout à la charte déontologique du JDD qui a été refusé par la direction. Tissoleil écrit « Les propos racistes, homophobes et sexistes sont illégaux en France. Comment peuvent-ils refuser une proposition qui ne ferait qu'appliquer la loi? Comment c'est possible pour un journal ?» Ben, je vais rappeler que le Valeurs Actuelles, le journal d'où vient Geoffroy Lejeune, a été condamné. Je crois que l'article le rappelle d'ailleurs. Oui, Valeurs Actuelles a été condamné en 2022 pour injure publique à caractère raciste. Voilà. Donc, c'est possible pour un journal, sauf qu'après la justice passe derrière, quoi. Mais c'est intéressant que la direction, a priori, a refusé l'ajout de ce paragraphe dans la charte déontologique, quoi. Alors bon, je ne sais pas quelle sera l'issue de ce conflit. Là, vous avez donc la quasi-totalité d'une rédaction, 98% des journalistes qui s'opposent à la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête de leur quotidien, de leur journal, pardon, puisque ça n'est pas un quotidien.
estimant qu'il est, qu'il n'est pas en phase avec tout simplement la ligne éditoriale du journal qui les a amenés, eux, à proposer leur service à cette publication. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ben, si on en croit ce qui s'est passé à Europe 1 et à iTélé, ben, comme financièrement le groupe derrière a les moyens de tenir et de se permettre de voir le journal ne pas paraître pendant quelques semaines, même si c'est un certain coût, ben, y a de fortes chances que ce bras de fer soit gagné à nouveau par le groupe Bolloré et que une partie des journées du JDD finissent par partir. À moins que y ait une mobilisation, à moins qu'il y ait une intervention. Voilà. Mais ça sent pas très bon quand même. Mais bon, l'aspect intéressant ici, c'est que ça vient nourrir une réflexion que j'ai souvent avec vous quand je vous explique que, quand vous me parlez de l'indépendance des médias, et vous avez raison de m'en parler, c'est une question essentielle au quotidien, et que vous me dites oui, mais les médias sont-ils vraiment indépendants? Les journalistes français sont-ils indépendants vis-à-vis du pouvoir politique et économique? Et puis je vous dis souvent, pour défendre un peu ma chapelle, hein, puisque je suis journaliste et donc j'essaie de défendre mon métier, je vous dis, vous savez, les journalistes, c'est quand même des salariés un peu particuliers, c'est des salariés qui sont très indisciplinés, c'est des salariés qui ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire, de ce que devrait être le journal ou le média où ils travaillent, et qui sont souvent en conflit avec leur employeur. Quand vous connaissez la vie d'une rédaction de l'intérieur, ça crie, ça gueule, c'est tout le temps en fait, voilà, tout, au quotidien, tous les jours. Chaque journaliste d'un journal a une idée très précise de ce à quoi devrait ressembler son journal. Et donc la vie interne d'un journal est souvent très très animée, et souvent il y a des conflits qui sont publics, comme des textes publiés par les sociétés de journalistes ou des grèves comme ici avec le JDD, et parfois des conflits dont vous n'entendez pas parler parce que ça se règle en interne. Tout ça pour vous dire que les journalistes se battent au quotidien en fait pour leur indépendance, et que selon la latitude que leur laisse leur direction, leur actionnaire, effectivement vous avez des journalistes et des médias en France qui sont plus ou moins libres, hein. Mais en tout cas c'est l'objectif de pour reprendre le chiffre évoqué ici, de 98% des journalistes en France, je pense. À vous, en fonction de vos lectures, de vos recherches, de déterminer quels sont, à vos yeux, les médias les plus indépendants dans notre pays, quoi. Marco Leptic me dit le média le plus indépendant c'est TikTok. J'en suis pas sûr, mais je pense que c'est pour me faire plaisir, parce que en référence à la petite revue de presse que j'y publie désormais quotidiennement. Bon, on va changer les idées avec deux sujets pour terminer. On va parler du plus vieux pénis sculpté de l'histoire de l'humanité. C'est évidemment essentiel par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer. Non, pas du tout, c'est une connerie, mais je trouve amusant d'en parler, même si vous verrez que ça suscite des réflexions qui pour le coup sont intéressantes. Mais avant, Mon coup de cœur. Tous les jours, j'ai un coup de cœur pour un article, pour un sujet, pour un journal. Aujourd'hui, c'est dans La Croix. C'est page 8. C'est complètement fou. Après l'intelligence artificielle, les organoïdes cérébraux. Alors bon, je lis la presse tous les jours, mais parfois, des trucs m'échappent. Et ça, j'en avais jamais entendu parler. Ça, c'est fou. Les organoïdes cérébraux. Vous prenez une puce électronique. Vous prenez des neurones humains. Bim ! Vous les mariez. Paf ! Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Des scientifiques australiens travaillent à coupler des puces électroniques et des neurones cultivés in vitro. Technologie encore balbutiante, mais qui pose déjà de sérieuses questions éthiques. Qu'est-ce que ça donne ? Certains me répondent dans le chat Tamagotchi, Cyberpunk. Pas mal. Cyberpunk, j'adore. Cyberpunk. Fusionner des cellules du cerveau humain avec l'intelligence artificielle, c'est le projet poursuivi par les chercheurs de l'University College London et l'Université Monash en Australie, en collaboration avec une start-up qui s'appelle Cortical Labs, qui est basée à Melbourne.
On dirait un épisode de Black Mirror, dit Decadrime. Pas faux. Idée pas si folle qu'il y paraît, puisque l'équipe a reçu fin juillet une subvention de 600 000 dollars de l'Office of National Intelligence et du département de la défense australien, qui parie sur le potentiel prometteur de cette recherche. Cela va permettre de développer des machines capables de reproduire la capacité d'apprentissage des réseaux neuronaux de nos cerveaux, explique le directeur du programme. Une nouvelle technologie donc qui marie la biologie et l'informatique et qui devrait, selon ce directeur de recherche, bouleverser les secteurs de la robotique, de l'automation, de l'interface homme-machine, de la médecine et révolutionner toute l'économie du numérique. Et le marché de l'amour, ça c'est moi qui l'ajoute, mais j'en suis pas sûr. On n'en est pas encore là, mais l'équipe peut se targuer d'une première prouesse réalisée il y a un an et demi, celle d'avoir réussi, écoutez bien, je trouve que c'est une dinguerie, d'avoir réussi à cultiver dans une boîte de pétri, les petits trucs là, qu'on voit dans les laboratoires, là, un réseau de 800 000 neurones. Un cerveau humain, c'est 86 milliards. Donc, 800 000 neurones. Qui, reliés à un processeur, ont pu actionner une version simplifiée de Pong, le jeu vidéo, hein, célèbre jeu vidéo des années 70, vous savez, les deux raquettes de tennis, de ping-pong, voilà, où le défi consiste à déplacer une règle pour repousser une balle. Voilà, ils ont appris, le truc là, le mariage des neurones et de la puce a appris à jouer à Pong. Il y a Mr. Banas qui dit, ah ouais, genre il contrôle l'ordi avec le mental. Non, le truc tout seul a appris à jouer à Pong. Ouais, Saken dit version simplifiée de Pong. C'est vrai que Pong, déjà, c'est assez simple. Ouais. Mais comment ils ont pu simplifier Pong? Bonne question. Le principe de ce système baptisé Dish Brain, cerveau en boîte, repose sur le fait que les neurones et les puces partagent un langage commun qui est l'électricité. Il y a quelqu'un qui vient de dire que la version simplifiée de Pong, il n'y a plus de balles. Magique. Donc, puces et neurones partagent un langage commun qu'est l'électricité. Une impulsion informe le réseau neuronal de la position de la balle. Celui-ci transmet l'ordre de placer la règle selon une certaine position. Selon que la balle est arrêtée ou non, le réseau reçoit en retour une stimulation plus ou moins plaisante, un peu sur le modèle de la récompense et de la punition. C'est par cet enchaînement d'essais que le mini-cerveau va apprendre à jouer. Même s'il n'en a pas conscience, parce que a priori, c'est pas une conscience humaine quand même. Quoi. C'est un chercheur à l'INSERM, Jérémy Matou, qui résume en disant, attention, je résume à mort. Hein. L'aspect le plus étonnant est que Dish Brain apprend très vite. Il y a Carado qui dit la version simplifiée de Ping, c'est qu'il n'y a que Pong. Pong, Pong, Pong. Vous êtes trop fort. Donc, l'aspect le plus étonnant de Dish Brain, c'est qu'il apprend très vite, en moins de 5 minutes. Alors qu'une intelligence artificielle classique a besoin de 90 minutes pour maîtriser le maniement. Plutôt que du mini-cerveau, Marion Delouze, qui est une chercheuse en neurosciences de Lyon. J'ai participé à une conférence sur les neurosciences il n'y a pas longtemps. Vachement intéressant. Préfère parler d'organoïde cérébral. Terme scientifique consacré pour désigner des cultures in vitro. Ce modèle organoïde, qui permet par ailleurs de mieux comprendre les mécanismes de formation du cerveau, certaines maladies associées d'ailleurs, mais qui s'intéresse aussi, et qui intéresse aussi les scientifiques, qui planchent au développement de bio-ordinateurs, qui fonctionneraient sur le modèle de notre cerveau. Celui-ci est bien plus performant pour apprendre vite, sans trop consommer d'énergie, que les systèmes d'intelligence artificielle qui fonctionnent actuellement. Donc parce qu'en fait, notre cerveau, c'est ce qu'explique l'article, consomme beaucoup moins d'énergie pour réaliser une tâche qu'un ordinateur. Quoi. Donc, économie d'énergie. Par ailleurs, les IA actuelles fonctionnent avec des algorithmes spécialisés hein, pour traiter l'image ou le langage, alors que le cerveau, bien sûr, lui, il est capable d'une intelligence générale. Enfin, chez certains, chez d'autres, ça dépend des gens. C'est moi qui commente. L'intelligence organoïde n'en est encore qu'à ses balbutiements, mais suscite bien sûr déjà beaucoup de questions sans réponse. Comment interpréter l'activité de ces réseaux neuronaux? Certains s'interrogent sur le début d'une forme de conscience, hein, et partant, quel statut leur donner? Faut-il les considérer comme des choses ou bien
comme une forme d'humanité. Quel est le lien de propriété et d'intimité avec le donneur, la personne qui a fait don des neurones à partir desquels ont été cultivés les autres ? Doivent-ils être réglementés de manière spécifique et comment, s'interroge un sociologue interrogé par Lacroix. Ces outils de recherche aux potentialités exceptionnelles viennent bouleverser les frontières du naturel et l'artificiel, de l'objet et de la personne, du biologique et du culturel, de l'humain et du chimérique, souligne ce chercheur, ce sociologue, reposant à nouveau la question éthique fondamentale. Lacroix s'intéresse beaucoup aux questions d'éthique. Tout ce qui est techniquement faisable est-il souhaitable ? Pistache TV, merci pour ce deuxième mois d'abonnement. C'est fou, non ? Je vous lis. HM Expert, le monde finira bientôt. Je vous lis. Ça veut dire qu'on aura des cerveaux dans des bocaux qui remplaceraient nos PC aux radios ou à un genre de truc comme ça, ouais. Bah oui, très bonne question de Kinema Live tout à l'heure, j'avais pas vu. Est-ce qu'il y a des soucis éthiques, genre, est-ce que le cerveau développe une conscience ? C'est chaud, hein ? C'est chaud. Cette image de gros cerveau dans nos ordi, Screamy l'évoque aussi, c'est vrai que ça vous fait réagir. Allez, un ou deux messages et puis on parle de Kiki après. On parle de pénis. Dans un instant. T'es fou, hein ? Non, pas Kiki Mbappé, Kiki pénis. Allez, pourquoi je vous parle de ce sujet, je ne sais pas bien, mais ça m'a un peu interpellé, parce que d'un truc a priori anecdotique, c'est dans le Figaro, page 11, Figaro qui parle de pénis, d'un truc un peu anecdotique, la découverte du plus vieux pénis jamais sculpté, eh bien je me suis rendu compte que les scientifiques se posaient plein de questions qui étaient assez intéressantes, et c'est ça qui m'a amusé. Donc en Mongolie, on a découvert le plus vieux pénis jamais sculpté, c'est ça. Alors, votre réaction, votre première réaction, ça peut être de me dire, comme je l'ai pensé ce matin, bah, pff, ça ne ressemble pas super à un pénis. Et en fait, si, les chercheurs ont fait des recherches avec des machines très perfectionnées, et ont dit si, c'est les pénis. Deux archéologues français, cocorico, ont étudié un petit médaillon phallique, donc c'était quelqu'un qui portait ce pénis en médaillon. En graphite, c'est la matière, vieux de 42 000 ans, donc découvert en Mongolie. Je zoome un petit peu sur le texte. En 2016, lors d'une fouille effectuée en Mongolie par une équipe de chercheurs, une équipe internationale, un objet, en particulier, on se demande bien pourquoi, a attiré l'attention des archéologues, un pénis sculpté en graphite, utilisé comme médaillon par l'un de nos anciens, lointains ancêtres, il y a 42 000 ans. À la louche! Sur le campus de l'université de Bordeaux, cet objet a ensuite été étudié avec minutie pendant plusieurs mois. Putain, la vache, hein, qu'est-ce que tu fais depuis des mois là ? Tu fais ton truc là ? Ah bah je le pénis, je te raconterai. Et donc ces chercheurs sont désormais formels. Il s'agit du plus vieil objet phallique identifié. Quelqu'un me dit, c'est bien une histoire de mec. Eh bien, sache que parmi les deux chercheurs, il y a une chercheuse qui s'appelle Solange. Cette découverte a été révélée au public dans un article publié en juin 2023 dans la revue Scientific Reports. Parmi les signataires, deux chercheurs du CNRS et de l'Université de Bordeaux, Solange Rigaud et Alain Kefelec. Ah, un breton. Grâce à des techniques d'analyse menées dans ce laboratoire bordelais qui est super... équipé, la nature phallique de l'objet fait rapidement peu de doute. Ils ont utilisé des machines et ils ont dit non, il s'agit bien d'un objet cylindrique allongé avec les caractéristiques anatomiques d'un phallus à l'extrémité, c'est-à-dire le sillon balano-prépucial, bien sûr, hein, et le méate urétral. Mais oui, mais évidemment, tout le monde maîtrise
ces termes. C'est donc Solange, la chercheuse, qui le précise. L'analyse démontre également que les incisions ont été réalisées par le biais d'outils tranchants en silex pour représenter le pénis et pour permettre de le suspendre, le dit pénis, à l'aide d'une corde, puisque c'était un pendentif. Enfin, il y a une face usée, justement, qui témoigne que ce pendentif était en contact répété avec la peau. Bien qu'il soit impossible de savoir ce qui se passait dans la tête de l'Homo sapiens il y a 42 000 ans, les chercheurs, c'est là que ça devient intéressant, hein, formulent quelques hypothèses. Pourquoi avoir sculpté un pénis ? Cette découverte se fait dans un contexte particulier. C'est là où on se rend compte que c'est vachement intéressant, je trouve, hein. Il y a 42 000 ans, Homo sapiens se disperse en Eurasie, hein, rappelle Solange Rigaud. Il arrive dans une région particulière, donc qu'est la Mongolie actuelle. Il n'est pas seul, il rencontre des Néandertaliens et des Denisoviens, qui sont les ancêtres de Michel Denisot, comme tout le monde le sait. En découvrant qu'il y a d'autres homininés plutôt, qui lui ressemblent, eh ben ça va révolutionner peut-être, hypothèse, la manière dont l'Homo sapiens se perçoit lui-même, s'interroge. Ce changement dans la vision de nos ancêtres qu'avaient d'eux-mêmes s'est peut-être traduit par de nouveaux messages symboliques, à l'instar de ce pénis en graphite, objet qui n'est cependant pas un phallus ostentatoire. Pour ceux qui se posaient la question, il n'est pas très gros. Le pendentif est petit, il a des modifications qui sont discrètes, vous voyez, comme ça on voit pas tout de suite que c'est un kiki quoi. Il fallait l'observer de près. Le cercle proche du porteur ou de la porteuse, si je puis me permettre, savait probablement sa signification, mais pas le tout venant. Hein. Bon, on n'arborait pas son pénis comme ça à n'importe qui, quoi. Voilà. Voilà, je trouvais intéressant, en fait, plus que la découverte, le fait que voilà, les chercheurs s'interrogent sur le pourquoi, le comment, le, je trouve ça, voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un petit coup de cœur pour cet article. Voilà, les amis, vous en pensez quoi? Je vous lis un petit peu là-dessus. Et puis après, on va faire un petit raid. Ah non, on va faire un horoscope aussi. Le Squeery TV, je vois que ce thème vous inspire. J'espère que ça va lancer une mode de sextoy en collier dans la rue. Je me sentirais moins seul. Ok, d'accord. Vous êtes tous sur cette idée-là. C'est très bizarre. Hugo Boom, ça me donne envie d'avoir un collier pénis. Ok, là. Hey. Oh, j'adore. Si le sujet t'intéresse, me dit Damos, Sam, il y a une super chaîne YouTube dirigée par une docteure en archéologie, Boneless Archéologie, qui a le même humour que toi. Oh, je kiffe. Peut-être un talisman de virilité, s'interroge Sylvinus. Peut-être une religion du Chibrax, dit Cousin Skeeter. Et à propos de la taille, il y a Matino 941 qui rappelle que ce n'est pas la taille de la pierre qui compte. Vous me faites rire. Chacun y va de sa petite proposition. Par exemple, il y a Zasmae5 qui nous dit que pour info, il y a un podcast très intéressant qui s'appelle « Des couilles sur la table » concernant l'histoire du rapport des hommes à leur sexe. Pour terminer notre petit jeu quotidien sur l'horoscope, je vous rappelle les règles. Le premier, la première à me donner son signe astrologique dans le chat, je vous lis le signe gagnant. Bon, là, comme vous l'avez vu venir, je vais corser un petit peu le jeu, l'exercice, vous poser une question d'actualité. Donc, les règles changent. Attention. Maintenant, c'est le premier, la première qui, dans la même ligne, me donne son signe astrologique et la bonne réponse à cette question que je vais vous poser. Je réfléchis. Ah oui. Tiens, ça va me permettre de faire ma pub. Donnez-moi votre signe astrologique et sur la même ligne, le nom du rendez-vous que je viens de créer sur TikTok lundi dernier. Comment ça s'appelle? C'est parti, mon kiki. Décidément, on parle de kiki.
Alors, attends, je vois que certains ont trouvé peut-être. Gémeaux, revue de presse express. Oui. Ah oui, mais. Bon, il était un peu aidé, puisque c'est Mathieu qui gère la chaîne Samuel Etienne sur YouTube, VOD, qui a gagné, et pour cause, on en parle depuis un moment déjà. Et donc, je vérifie que Mathieu m'a donné la bonne réponse, sans faute d'orthographe, parce que je suis un peu maniaque. Gémeaux, oui. Revue de presse express, oui. La revue de presse express, c'est effectivement... Scroozy Boozy, t'étais pas loin, hein. La bonne réponse, voilà, depuis lundi, 8h30 tous les matins, revue de presse express en quelques minutes sur TikTok. C'est Gémeaux qui gagne donc ce matin avec VOD Samuel alias Mathieu. Gémeaux qui n'avait pas gagné depuis un petit moment. Les Gémeaux qui étaient un peu endormis. Eh ben, lisons les Gémeaux. On n'y croit pas, mais ça nous fait marrer. Cœur, aujourd'hui, votre trop grande susceptibilité pourrait vous faire du tort. Donc les Gémeaux, on y va cool, on met de l'eau dans son vin, on ne s'énerve pas, tranquille. Ça va bien se passer. Réussite, ne vous laissez pas manipuler, gardez votre sens de la réalité et suivez votre instinct. L'instinct, les gars. À l'instinct, au feeling. Forme, bonne vitalité, c'est pas mal. Et puis pour plaisir, un petit coup d'œil au baromètre de l'amour qui est tout en bas là. Verseau, oh, attention les Verseaux, c'est un petit avertissement, il y a des Verseaux ici. Attention en matière d'amour les Verseaux, je lis. C'est le baromètre de l'amour. Gare aux pressions exercées sur autrui. Eh, pas de pression, hein. On fait pas de pression sur les gens, là. Encore moins dans le domaine amoureux. Hein. Sauf si la pression est un massage. Hein, si vous offrez à votre amoureux, amoureuse, un petit massage du dos, là. Comment on appelle ça, là. Des trapèzes, là, pour détendre le soir après une journée fatigante. Donc là, la pression, je dis oui. Ou la bière, oui. Hein, la pression qu'on boit, oui, mais pas on ne met pas la pression sur les autres, encore moins sur les objets de notre amour. Mais oui, t'as raison, Cassander, moi aussi je me pose la question, je vois les réseaux sociaux bruissés de cette histoire de parlement américain des extraterrestres. J'attends dans la presse un article un peu intéressant là-dessus, je ne l'ai pas trouvé encore, mais dès que je le trouve, on lira bien sûr ce papier. Les amis, un grand merci. Lundi il y a eu revue de presse, mardi il y a eu revue de presse, mercredi il y a eu revue de presse, jeudi il y a eu revue de presse, vendredi aujourd'hui il y a eu revue de presse. Est-ce qu'il y a une revue de presse demain? Je me tâte, je sais pas encore, peut-être. Ça va dépendre un petit peu des projets de la petite famille. Au plus tard on se retrouve lundi, mais peut-être demain. Voilà. En tout cas, on fait un raid comme tous les jours. Je débranche l'iPad. Merci mon iPad qui a bien supporté le petit café qui s'est renversé sur lui tout à l'heure. Et maintenant, vous me proposez dans le chat, comme d'habitude, hop, des noms de streamers, de streameuses qui sont en live. Marie Kigai, tu serais pas en live toi là maintenant. Marie Kigai qui était avec nous tout à l'heure. Qui sont en live actuellement, histoire de soutenir le travail des autres créateurs, des autres créatrices de contenu. Hop. Bim, je vous mets 2 minutes d'attente, 2 minutes de musique ou 2 minutes de pub et on se retrouve dans 2 minutes pour ce raid. C'est pas mal cette musique qu'on vient de s'écouter là. Oh, attends, je vous en mets une autre qu'on a écoutée hier, qu'on a bien aimé.
l'univers de Yu-Gi-Oh! Et c'est parti, je charge le raid. On se retrouve lundi matin au plus tard et peut-être dès demain matin. Soyez sympa, soyez curieux, soyez comme vous êtes d'habitude pour la découverte de ce streamer que nous rejoignons dans un instant. Je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon vendredi, un bon week-end. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Merci d'être là aussi nombreux, aussi souvent, ça me fait bien plaisir. À très vite, ciao ciao.